Hello, bonsoir, bonsoir à tous. Et Beyoncé. Et Beyoncé, évidemment Beyoncé. Voilà, on est bien. On est bien. Alors attends, est-ce qu'il y a de jeu? Il y a de jeu, superbe. Superbe. Julux X Noël, évidemment. Moi, je cherche mon hôtel, mais je suis débile, je le fais jamais. Voilà. T'as où quoi l'équipe? Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce soir, une session tranquille sur Black Clover. Faut que je me bouge le cul à faire des petites vidéos de ce truc. J'ai commencé, même quand je joue en off sur mon tel, à record ce que je fais. Me l'envoie sur mon petit Notion, utilisateur de Notion, PG à vous, GG à vous même. Et ça va, c'est trop bien, super pratique, tout ça, tout ça. Et ça arrive bientôt. Merci, merci Riven. Riven? Je sais pas comment on prononce le pseudo. Merci le boss de l'audiovisuel. Incroyable, ce type est incroyable. Allez voir un Riven. Riven. Parfois avec deux E, parfois avec deux N. Faut se décider un moment, mon gars. Ok? Moi j'en ai trois des N, ok? Donc tu t'en mets un ou deux. Mais voilà, il faut se fixer. On va jouer direct. On va jouer direct. Ça va être direct de toute façon qui est du instant click sur la notif. Ne vous en veux pas. Moi je vire les notifs. Mais le faites pas. Activez les notifs pour moi s'il vous plaît. Incroyable. Et des bangers. Bon alors, le son est pas trop fort. Si, un peu. On va faire tac. Ah non, ça c'est le jeu. Tac. Ma voix. Tac. Voilà. Si c'est trop fort, vous me dites, normalement, tac, ça devrait aller. Petit compensateur et tout ça. Compensateur, compensa, compensation. On va aller in-game. Bim. Voilà. On est tout de suite in-game. Le son du jeu. Ok, son de ma voix. Ok. Baisser le son du jeu, peut-être un peu. Voilà. Tout est ok. Tout est ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Sur mon propre serveur, c'est qui m'envoie un message? C'est moi qui m'envoie un message. Ça marche. Super. Alors, in-game. Déjà, on va voir le temps qui reste sur l'event. Sur l'event de. Il reste 1 h 30. Et ben, on va regarder. C'est jusqu'à minuit, je pense. Ok. Et il nous rattrape. Il nous rattrape, attention. Il nous rattrape, mais. Mais on se laisse pas faire. On sait pas faire, attention, 128 000 le mec. Je pense que c'est un développeur du jeu. Je vois pas autre solution. En fait, c'est pas possible autrement que le mec soit si chaud. Voilà, c'est forcément un des devs. Bien joué à Efe, Efeu, de la team que j'ai upgrade un petit peu parce que il mérite, c'est un peu le boss, il est là depuis longtemps. On va récupérer tout ça, récompense de boss mondial. Exploser sa tronche au boss mondial là. Et on va normalement. Oh, on va faire un petit truc, on va faire un petit truc sympa. On va regarder à combien on est. On va regarder à combien on est. Ici. C'est pas marqué. Ok, bon. 201 000. Triste, hey. Un dev ou bien une grosse CB. J'avoue que. 128 000. C'est. Colossal. J'ai 50 000 moi. J'ai 50 000, 128 000, c'est monstrueux. C'est sûr, c'est un dev en fait. C'est sûr, c'est un fou lui. Normalement, j'ai claqué dans là-dessus. Boum! Voilà, on est bien. On a eu des petits trucs sympas là. Quelques trucs UR. Pas eu beaucoup de chance, mais bon. Bing, 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 bing. Ok. Julius presque niveau 100. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On était à 201 000. On est maintenant à 204. Que 3 000 de plus. Ah, c'est pas si fou en fait. Je m'attendais à un record de dingue. Et c'est déjà bien. J'aime bien.
exploit. Oh, alors peut-être. Peut-être le 100%. Let's go, parfait. Facile. Donc là, on a peut-être une petite invocation. Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai refait des tirages. 340 ici. Impossible. Impossible d'avoir ce que je veux. Du coup, je me dis... Je chope Charmy avec la clé. Je chope... Bah, j'ai déjà Noël. Je chope Charmy avec la clé. Et en fait, je fais que des tirages sur Julius. Parce que Noël, Noël est super forte. Donc je sais pas en fait. J'hésite. J'hésite à me focus sur Noël. Histoire de l'avoir au moins R2. Hein, si on parle dans les termes, dans le jargon. Je sais pas. Alors j'ai lu pas mal de petits guides d'équipement, tout ça, tout ça. J'ai baissé le son du jeu dans mes oreilles. Voilà. Demain j'ai ma Noël avec ma clé. Nice. Tu fais des tirages dessus ou pas? N'hésite pas à faire des tirages dessus hein, quand même. J'ai monté mon Julius 43 000. 2 étoiles. 2 étoiles, c'est pas trop mal. Master 4 en PVP. Oh, t'as fumé, t'as tryhard. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Moi, je pense que je suis descendu argent. Ah non. Ah non, pas du tout. Ok. Comment on fait pour voir? Master 4, c'est quoi? C'est au-dessus d'or? Ah oui, ok. Ah oui, du coup, t'as passé le 2, le 1, 5, 4. T'as 3 rangs au-dessus de moi? Ça marche. C'est vrai que j'ai pas fait, hein. J'ai pas fait du tout. Mais maintenant que j'ai Noël et Julius, en fait, j'ai peur de perdre. Du coup, je fais que des gars qui ont un faible taux de puissance. Sauf que, bah, t'en as de moins en moins des mecs qui sont faibles en puissance. Il faut tenter le tout pour le tout. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie. J'ai envie de, tu vois, de savoir que j'ai opti assez bien la team pour rouler sur les gars en auto. Et j'ai pas Noël, donc avec Noël on va monter et ouais, de fou. De fou, de fou. Moi j'ai monté Noël un petit peu. Voilà, c'est pas fameux. C'est pas fameux, mais on est quand même sur un petit 35 000. C'est pas dingue en fait. Hein. C'est pas fou. C'est pas fou. J'ai sa carte, mais elle est level 0. Un peu chiant. Faudrait que j'améliore ses talents. Je peux pas. Je peux pas. Moi, ce que je voulais faire avant tout, c'est la voix du mage. Donc, on va se focus là-dessus. Aujourd'hui. Ce soir. Technique 9. Ouais, non, c'est mort en fait. Hein. district de la ville, technique 9. C'est ça, district de la ville? Attends, je me rappelle même plus de ce que je dois faire. C'est ça. Ah mais Noël elle est trop forte. Je cliquais sur mauvais. Noël elle est vraiment forte hein. Technique. Ou technique c'est celui-là. Technique 9. Eh c'est faisable. C'est faisable mais le bleu. Le bleu il est relou. Le bleu il est relou. Le bleu il est relou parce que mon Asta il va dead, il va mourir en fait je pense. Faut que je mette qui d'autre? La petite Mimosa là. Mon Lotus. On va tester comme ça déjà. On va tester en auto si ça passe et puis on verra bien. En fait ouais, Noël elle est super forte. Et j'ai dit que j'ai regardé des trucs, des petits guides d'équipement, tout ça. Et genre tu sais, au lieu de focus à un équipement x4, pour les assaillants du moins, ça, ce que je vais dire c'est pour les assaillants, principalement. En gros, au lieu de faire un set de 4, tu fais plusieurs sets de 2. Tu vois, t'en fais 3. 3 sets de 2. Comme ça, tu focus que sur... attaque et attaque magique.
en gros quoi. Ou que attaque magique si c'est full attaque magique, etc. J'ai commencé à me faire une type de chaque couleur pour les donjons car ça devient trop dur après les 148 000. C'est vrai que ça devient tendu quand même. Mais montre Hades. Vraiment, j'ai vu que tu l'avais. Montre-le à fond. Voilà, hop, ça dégage. Hades, il te fait un de ses shields, mais c'est monstrueux. Il shield, premier spell, il empoisonne la cible. Si tu montes le spell à max, ça doit être 60 ou 70%. Et t'inquiète, c'est en cours. Ah, nice. Et son spell 2, il attaque un peu tout le monde. Bon, il fait pas beaucoup de dégâts, mais il te booste toute ton équipe comment il fait là, 27 000 je crois que j'ai vu. Et il te booste toute la défense et la résistance critique ou la résistance aux dégâts, je crois, un truc du genre. Il est trop fort. Et le guide des équipements, qui est vachement intéressant. J'ai besoin d'XP, je suis à sec. Ah ouais. Ouais, tu balances une expédition sur le truc à XP et puis en vrai, tu ressors, tu peux monter une quinzaine de niveaux, hein. 15-20, hein. Vive le moins 50. Je spam. Ah bah, tu m'étonnes. Là, avec mes 40 ressources qui m'attendent. Putain, moi, ça, il est mort au tour 1 là. Je suis mort, je pense. Mes 40 paquets de 100 d'endurance. Je pense que j'ai de quoi tenir toutes les journées. Hein. Faut que je recustome un peu mon Hades. En fait, oui et non, parce que il est trop fort. Comme c'est un défenseur, la strat du 3x2, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, il a besoin de PV et besoin de défense. Donc tu lui mets un set bling bling en défense ou en PV. Et là, ton truc indestructible quoi. Et Julius, il est quand même compliqué à jouer. En gros, pour utiliser son ult, pour faire un maximum de dégâts avec son ult, t'as besoin de cumul temporel. T'en as un chaque tour. Ou alors avec une attaque qui t'en donne. Mais du coup, ah, dead. Oh oui, c'est vrai. Il meurt pas en fait. Il est trop craqué, Julius. Du coup, si tu veux frapper de fou avec son ulti, tu attends un petit peu et tu tapes. C'est tout. C'est tout ce que t'as à faire. Et son R2, son passif, unique, c'est genre il meurt, il revit à 50% de ses PV. Donc, en gros, tu mixes avec Mimosa et le mec il revit deux fois. C'est un zinzin. Pour le stuff dev, il me fallait des persos VR pour le donjon bleu. En train de team. Ouais, logique. Logique. Moi, je vais changer Asta parce que Asta il meurt trop vite. Et si je mets Lotus il est pas assez monté. Je vais voir ce que je peux faire avec lui. C'est trop fort. Julius. Il meurt, il revit. Bon, j'ai pas assez, ça sert à rien. Et quand tu le montes 5 étoiles, bah déjà il a un bonus de vitesse. Donc il a un autre. Son premier passif. C'est que plus il a tous les 15 points de vitesse, il gagne en puissance. Donc quand il est R5, il gagne de la vitesse, donc il gagne en puissance, en plus de gagner en puissance de base. Et son passif unique, il se transforme à, quand tu meurs, tu revis à 100% de tes PV. C'est un truc de fou. Un star rouge dans un donjon bleu, il se fait rouler dessus, c'est du one shot maintenant. Non, je pense pas. Si, on va voir. C'est pas mes 6 petites endurances qui vont faire quelque chose. Hein. Et je pense, si il meurt one shot premier tour, je change avec Mimosa. C'est trop fort. Mais Julius, il est monstrueux. Ouais, il fait plus rien. Bah, il met quand même presque midlife en un tour. Bon. Avec son ult, mais c'est quand même bien.
puis les bots ils sont cons. Ils attaquent le tank. Donc ils attaquent mon Rades. Rades qui est quasi immortel. Donc voilà. Et ensuite mes trois assaillants qui défoncent tout. Oh ça va, j'ai un bon combo quand même. Bon. J'ai pas eu de chance là-dessus, mais. Mais le combo est pas mal en vrai. Je vais mettre Mimosa, je pense. Ma Mimosa, elle est trop forte. Elle te tank le boss mondial assaillant. Bah le boss mondial phase 2. Presque elle toute seule, genre. Bon, évidemment, tu vas pas très haut en dégâts. Mais très très forte. Mon Rigda. Vous savez Raya. Putain, mais à chaque fois, j'oublie son nom. En vrai, ton Hades qui arrive de fou. Mon Hades. Mon Rades, ouais. Ouais. Il est trop fort. Et en plus, sur mon Rades, je lui ai mis un set gold de vitesse. Donc en gros, il joue plus vite. Donc il récupère plus vite son ulti. Donc j'ai plus souvent le bonus de 30 000 de défense. Et en fait, mon Rades, c'est lui qui tank la phase 2. Ah, parce que oui, j'avais changé. Je suis à genre 150 000 sur chaque phase. Et genre, j'avais mis Rades sur la 1, j'ai mis Rades sur la 2, et Mimosa sur la 1. Mais les deux, c'est les derniers survivants. Ils sont trop forts. Et Riam, avec mon Yami, ils font tout droit. Ah ouais, ils font. Mais Noël, je vais remplacer Asta par Noël, je pense. En fait, je sais pas, parce que mon Asta, il est tellement bien opti en dégâts. Il me fait chier, quoi. Hop là, il revit. Julius, il revit. On l'a pas vu derrière ma tête, mais il revit, genre. Zinzinzin. Il est mort? En fait, non. Et c'est son passif. C'est un truc de fou. Déjà qu'il est hyper rapide, il te balance la blinde de dégâts. Mais en plus, il revit. Donc je pense que je vais faire, c'est tous mes prochains tirages, je les fais sur Julius. Je m'en bats, écoute. Tous les doublons que j'aurai, je les mettrai sur Noël. Mais je vais focus pour avoir R5. Parce qu'en plus, en R5, comme t'as le boost de vitesse, t'as plus besoin de mettre le set de vitesse. Donc tu vas mettre un set attaque magique. Donc il va être plus rapide par défaut, puisqu'il va être plus haut renforcement. Et il va faire plus de dégâts, puisque tu auras changé la vitesse déjà ajoutée passivement par l'équipement. C'est un truc de fou. C'était le niveau 9 ça? J'ai pas vu. Tu vois, en fait, je pense que j'aurais enlevé mon Asta. Il n'y aurait pas eu de soucis. Après, nouvel R5 incroyable aussi avec son shield contre-attaque. C'est son R5 qui fait ça? J'ai pas vu. Développer talent. Ok. Ouais, il nous faut des petits trucs. On va voir. Je vais voir Noël parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé, mais juste R5. Mais non, mais. Oh là 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 là. Julius là. En plus, j'ai toutes les attaques 10% avec le truc de Fana. Et j'ai pas la carte de Julius. Et je pense que la carte de Julius sur Julius. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut lui? 78 000 PV. Ok. Excusez-nous, monsieur, en fait. Passif de vitesse plus 7, au calme. Et provocation, en fait, je sais pas. Si quelqu'un arrive à m'expliquer le principe de provocation, je prends. Parce que je comprends pas. C'est-à-dire, tu. Ah oui. Non, en fait, c'est pas provocation sur toi qui fait que toutes les attaques viennent sur toi et tu tankes tout. C'est genre, tu mets provocation sur l'assaillant. C'est-à-dire que. Ou alors provocation sur à l'assaillant. Et du coup c'est il est provoqué par toi, il t'attaque que toi. Ouais d'accord. En fait c'est trop bizarre. Et tu vois, ça devrait mettre. Je sais pas en fait. Je comprends le truc mais c'est mal fait. A looter la carte de Julius et de Noël sans avoir les persos. Ah putain. Moi je vais drop la carte que de Noël. Et du coup je l'ai mis dessus. Elle est vraiment craquée la carte de Noël hein. Hello mes BG nationaux, coucou pleine lune.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Attaque magique plus 12. Au début d'une vague, confère une barrière égale à 10% des PV max pour le tour. Crackhead. Crackhead, crackhead. Et on va voir renforcer. À l'assaillant, il veut dire à l'ennemi, pas au perso assaillant. Oui, oui, je sais. Mais genre, c'est provocation. Genre, tu vois, inconsciemment, je pensais que c'était lui qui était provoqué. Donc, tous mes persos allaient attaquer lui, tu vois. En mode, il a été provoqué, machin, il faut le tuer. Comme Asta Défenseur, son ulti, full provocation à tous les ennemis. Ah oui, ok, je vois le délire. Bah ça va, Plénul, et toi? Alors, ping ping, résistance critique ici. Et là, au début... Il n'y a pas contre-attaque. Au début, qu'on fait une bénédiction aqueuse. Ah oui, c'est bénédiction aqueuse qui fait ça. Là, ça met juste une barrière. Là, c'est bénédiction aqueuse, qui a 4% de PV max pendant 2 tours. Et bénédiction aqueuse... Non, c'est pas ici. Ici, c'est une barrière qui contre-attaque en subissant des dégâts. Si l'ennemi ne parvient pas à supprimer la barrière avec son attaque initiale, une contre-attaque est exécutée. Ok. Donc en fait, qui détruise ou pas ta barrière, tu contre-attaques quand même. C'est un truc de fou. Ça va bien, je pensais pas que tu streamerais ce soir. Bah si, écoute, hier soir j'ai pas stream, je restais avec la famille, je suis resté en pépouze et tout ça. Et là on a été à la maison, la future maison qu'on construit. Alors on retape une vieille ferme, une big, giga vieille ferme. Du coup c'est super gros. On a soulevé un linteau de 200 kilos genre. Une pierre massive de fou. Et on l'a surélevé de 50 cm. Ça nous a pris énormément de temps et ça nous a épuisé. On a monté des poutres au troisième étage, genre. Épuisé. Du coup, bon, ça c'est chill, ça. Pas envie de jouer à Ori parce que. Flemme. Quand tu es provoqué, tu es obligé de frapper celui qui te provoque. Tu peux pas cibler un autre. Et Noël, quand elle contre-attaque, c'est son AOE, compétence 1 sur tout le monde. Oh, d'accord! Putain, c'est fort. C'est pas mal fort en fait. Ouais, pas mal. Épuisé. Épuisé. Déblayé 4 emplacements de talent. C'est con parce que j'en ai équipé. J'ai débloqué plein. Genre sur Asta ou Ah, c'est sur Julius. Attends. Je suis un peu deg. Pourquoi je suis deg? J'ai amélioré les talents de Julius. Bing, 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 bing. Nice. Tu mets la pierre au milieu. Qu'est-ce que ça fait? Uniquement attaque flat, genre. Attaque flat, attaque magique flat. Trop le seum. Je pensais que c'était un truc de fou, genre 10%, tu vois. Pas du tout. C'est trop dingue. Après, c'est marqué que c'est une pierre d'attaque normale. Peut-être qu'il y en a des rares. Je sais pas. Un truc de prévu pour le mélange, du coup. Yes, je fais avec deux potes. On se fait une petite raclette et tout. Il y a un pote qui ramène du cidre, machin et tout. Déjà pas mal. Oui, c'est bien, mais. C'est un peu nul, tu vois. Genre, quand tu vois tes équipements qui te donnent 2000 d'attaque, tu vois, bah. T'es 300 là, on s'en bat les steaks. Mais je suis dès que les 4 que j'ai rajoutés, mais pas compté dedans, quoi. Donc j'ai mis attaque magique plus 7 et toute critique augmentée à chaque vague. Parce que les taux critiques de mon Julius, voilà, il a 32,5%. Donc il tape beaucoup souvent du critique puisqu'il joue beaucoup souvent. Voilà, puis mon Asta, je crois. Lui il fait beaucoup de critiques. Non. En fait son taux critique, il genre passe un tour dans une vague. T'es à 3 bonus de critique, donc il monte à 20-25% très vite. Il fait mal. Après, dégâts critiques, je sais pas augmenter. Mais voilà, on est quand même pas mal. Hâte de le monter de fou. Comment je fais pour avoir des trucs de...
pour améliorer les compétences. Je sais pas comment on fait ça, c'est dans peut-être compagnie dans la boutique. Et du coup, pleine lune, ça s'est affiné un peu ce que tu faisais ou c'est juste bouffe Oh non, j'ai tout acheté, fiché. Ouais, on est moins. Parce que j'ai viré des gens. Ils m'ont saoulé, ils étaient toujours palier 16 depuis le début. Un pérodinatoire. Péron. Péron. Pas mal, ouais. Ça va. Et Triste, tu fais quoi pour le nouvel an? Comment je peux faire, moi? Comment je peux faire? Aucune idée de comment je peux récupérer des choses. Défi limité. Ah, j'ai pas fait. Je m'attends, je crois. Gros dodo là-bas. Ah, bah, tu m'étonnes. Moi, je vais bien dormir demain. Ouais, demain matin, faut que j'aille en course. C'est ouvert jusqu'à midi, exceptionnellement. Donc, faut que j'y aille. On va essayer de récupérer des bonnes pierres là. Mais je crois que les pierres les plus hautes. Ah, voilà. Si, ça existe. Des destructions légendaires. What the fuck. Attaque légendaire. Voilà, 500, c'est mieux ça. Ah voilà, ça existe. 180. J'ai pas le niveau, j'ai pas du tout le niveau, vas-y. Wow. Elle a dû refaire celle-ci. Alors, il nous faut du vert et du rouge. Parfait. Parfait, on le roule dessus, c'est parti. Pas grand chose, sur le chief avec Jeff Momo, etc. Ok. Sympa. On a pas besoin de faire un truc extravagant. Hein. Moi j'ai été avec deux potes, on va bouffer une raclette. On va écouter du bon gros métal. Et voilà. Quoi? Oh non, ils sont terriblement chiants ceux qui ont le truc de glace, il est trop chiant. Ils sont immortels, genre. Quand tu les tues pour la première fois, que sont en dessous de 10 PV pour la première fois, ils ont immortalité, genre. Trop trop chiant. En vrai, la puissance recommandée est un peu fausse. Si tu as une bonne compo, tu gagnes easy. Seul truc chiant, c'est leur immortalité. Ouais, c'est ça. Le truc que je parle, ouais. C'est horrible. Oh, bâtard, m'a gelé. Est-ce que tu te sers des compos d'équipement? Des presets d'équipement? Moi, les seules fois où je m'en suis servi, c'est-à-dire deux ou trois fois, c'était pour juste sauvegarder l'équipement parce que je voulais le modifier. C'était pas pour faire réellement des presets, c'était plus pour sauvegarder si je... Tu vois, pour dire putain, qu'est-ce que j'avais mis. Par contre, pour Julius, j'ai straté de fou hein, pour avoir un bon truc en mode. Full pourcentage attaque magique entre je vois c'est ils sont tous mes équipements ont minimum 2.80 2.8% d'attaque magique genre, c'est trop fort. J'ai pas du tout vu si j'avais gagné une pierre. Putain le gros con que je suis hein. Est-ce que tu tentes je penche le pense penche le pense. Passe pas je pense. Je viens Yami, il pue du cul Yami. Mais Noël. Noël est plus fort que mon Yami? Mais non. Plus de puissance? Ah ouais. Non. Plus de puissance mais des derrière. Un c'est lui. Et qui c'est quoi cette tendre? Quoi cette tendre de merde là? Pas tri du tout tri par puissance. Bon, je sais pas. Vas-y, let's go. On met le shield et ensuite on bombarde. Vas-y, on va faire ça. Essaye toujours, tu peux rien. Tu perds rien, tu peux recommencer après. Oui, j'avoue. Est-ce que. Je le fais en auto et puis c'est tout. 18 000 de protection. Plus 28 000
J'ai pas, je crois que ça se cumule hein. Est-ce que quand tu perds l'endurance? Je sais pas hein. Wow, le rouge, il a fait si mal à mon Asta. Je pense que si j'ai pas plus de shield que ça, je meurs. Pour un défi normal, non. Celui-là, je sais pas. Oh, mon pauvre Asta. Mon pauvre Hades. Et petite barrière, sympa. Le truc bien avec Noël, c'est que elle met un bouclier avec son spell 2, genre. Bon, Radis il met un shield de zinzin, mais c'est son ulti. Oh, voilà, en fait, t'as toute la barre bleue quoi. Mais qu'est Asta? Asta toute sa vie est bleue, genre. Oh non, utilise l'ult pour ça. Ah, c'était le dernier. Ok, c'est bon. Bah voilà. À 160 000, j'écrase le 180. Oh. Oh, j'ai une pierre de défense. Ah, mais elle est normale. Chut. Cul de con. Dommage. Bon, bah voilà, hein, facile en fait. J'aurais dû tenter le rouge aussi en max. Ou 198 000. Oh, celui-là il pique. Oui, il pique. On va tenter le. Ah oui, ça passe de 90 000. De 100 000 à 190 000. Ok. On peut tenter comme ça. Là, il y a toutes les couleurs. Là. Hop, tente, on verra bien. En vrai, je pense que ça peut passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que... Eh, je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que je devais récupérer des trucs pour améliorer les compétences. Et comment je fais? Ah, là. Non, je sais pas en fait. C'est où que je peux choper les trucs pour améliorer les compétences? Pourquoi il revit mon Julius? Ah bah oui. C'est Julius, c'est normal. Il dit j'en ai quasiment pas. Ok. Ah, ce qui me saoule c'est que mon Asta, il a genre presque toutes ses compétences améliorées à fou. Mon Radès, son ult, il est à fond. Et j'ai monté level 3, l'ult. Non, level 3. Le spell 2 de Noël. Enfin, si, à la salle du défi en bas à droite, je sais plus le nom. Ouais, c'est ça. Tu en gagnes toutes les 5 batailles. Je pense que c'est même toutes les 10. Hein. Bon, regardez. Oh! Ah non, c'est une normale. Putain, chien. Et j'ai peut-être assez de gemmes pour faire un tirage. Hein. Un petit tirage sur Julius. Ah non, je passais. Bon, lui, on s'en fout en vrai. Hein. Classement. Oh, je suis plus dans les 30%. Oh. Top 31. Oh, la haine de fou. Faut que je fasse un meilleur score. Mais il faut que je sois ici. Mais les mecs ils utilisent Charmy, ils sont trop forts. Ouais, Charmy, uniquement Charmy, et puis ils roulent sur tout le monde. Salle de souvenirs. Non. Pas du tout. Salle des illusions. Perso, lui, je le fais en
115 en mode auto x3 flemme. Ah oui, l'autre il est trop chiant. Là, je suis ici, niveau 60. C'est pas mal. Mais bah déjà il est un peu dur. En vrai avec la nouvelle compo, je peux peut-être test. Mais il tape trop fort. Là genre du niveau de puissance c'est vraiment recommandé je trouve. Je sais plusieurs fois, à chaque fois j'arrivais à la fin, il reste que Yami. Mais Yami me détruit genre. En fait ses sbires me détruit au moins 2-3 persos. Et j'arrive pas à tuer Yami et du coup je perds. Est-ce que c'est toutes les 5? Ah ouais. Non ça. T'es niveau combien là-dedans? Niveau max c'est 100 je crois. Le test en vrai ça coûte 1. 1 d'énergie genre. On va virer lui. On va mettre elle. Sasenai. Ok. On a dit shield, explosion. Hâte d'avoir tous les persos 100%. Bah 100%. Oui, 100%. Mais niveau 100. Ok. Maintenant que j'ai boost mon Julius, je pense que c'est possible. Je pense que c'est fortement possible. 56 là j'ai arrêté au bout d'un moment. J'ai même découvert que tu pouvais les lancer pour que le jeu ferme les salles automatiquement. Genre quand il est fini, passe à sur ta mère. Oui j'ai fait ça au début. Je suis monté relativement haut. Ok, ça a l'air d'aller. Moins 1. Presque moins 2. Ok. Ok, Rades tient le coup. Mais Rades il meurt de con, de cul, je sais pas comment là. Putain, là, me saoule. Oh là là, c'est tellement simple en fait. Oh là là, mais excusez-moi en fait. Oh là là, la puissance de l'équipe, toi. Oh là là, simple, simplissime. Simplissime. Voilà. Mais du coup, j'ai plus envie de continuer, monsieur. Ah, en vrai, je pourrais. Hein. Tant que ça reste dans les 180 000, ça passe. Adopte Man Noël et de faire Ria, Yami, Noël, Mimosa. Incroyable, trop excellent, quitte à Borna. Ah bah, tu m'étonnes. Et c'est bien. Après, si tu veux full PVP. Enfin, full PVP. Team PVP, il faut aussi taper en mono cible. Et pour les boss aussi. Parce que sinon, c'est chiant. Ria, Noël et Mimosa. Tu peux faire une big team. Mais Yami change. Tu vires Ami et tu mets Julius. Ria, Noël, Mimosa, ok. Mais Yami, faut que tu le... Viens Yami. Il est plus ouf. Il est plus si ouf. On fait une petite invocation sur Julius. Allez, soyons fous. D'évocation sur Julius, c'est parti. Fais chier, lui. Vas-y. Transformation? Non, bah non. Oh là là. Trop la haine. Trop la haine. C'est des milliers que je gaspille. Non, que je tente ma chance. J'ai rien. Faut dire pour le joueur français. Eh ouais, joueur franco-italien. Dommage. J'essaie de comprendre tout ce que vous dites.
C'est dur. Ouais, bah. Si dit. Ah oui, j'avais pas eu ton message. Yami, c'est mon plus fort actuellement. Il met des critiques de dingo avec son ult. Ouais, bah, tu m'étonnes. Bah, Ria, Yami, Noël, Mimosa. C'est des. C'est des noms de personnages, hein. C'est pas trop compliqué à cerner la chose. Puis ensuite, c'est juste que. Il y a des persos plus forts que d'autres. On dit non, au lieu de ce personnage-là, celui-là est mieux. C'est quoi que t'as pas compris? Pas compliqué, hein. J'ai trop la haine, hein. Oh là, j'ai. Ça me saoule de fou. Absolument tout. Ah merde. Je peux pas t'aider là. Hein. Tu comprends rien. Ok, ça va venir. Va venir de quoi, mon drop ou ta compréhension du jeu? Non, j'ai trop la haine, ça me saoule. Est-ce que attends, ça s'est affiché, j'ai même pas vu. Ah non, ça s'affiche même pas. J'ai mis le son, let's go. Bon, on voit pas sur la truc, je sais pas pourquoi. Attends, je vais voir. Non, mais c'est bon, stop. On a eu le son, baby. Oui, c'est normal. C'est normal, mais du coup, ça fait bugger aussi mon jeu, et trop chiant. Attends, normalement, il y a un truc. C'est la boîte d'alerte. C'est ça, non? Dashboard Twitch 8 jets. Ah, il est en bas ici? Ah, si, il y a l'image. C'est vrai? Ah, oui, il est en bas à gauche. Je vais la mettre en dessous de. Oula. Je vais la mettre là. Oh, bah, du coup, je vais chercher à boire. Hein. Super. Hein. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a eu à travers de l'invocation x10. Ouais, il était en bas à droite, ouais. Sorry, je tapais le micro en virant en posant mon casque. Voilà, j'ai presque plus d'eau, moi. Il avait besoin de boire pour se détendre après son invocation foireuse. Ah oui, mais. Je crois la haine, hein. Encore 10 fois. Et je l'aurai gratos. Sachant que je l'ai calé 5 fois. Enfin, quand je dis 5 fois, c'est 5 invocations x 10. Hein. Sur Noël Charmy Gauche. Et je ne l'ai pas eu du tout. Ah si, j'ai eu une fois Noël. Et une fois sa carte. Donc 70 tirages. Pour avoir une carte et un perso. 70 pour un perso et 70 pour une carte, ça fait beaucoup. Là, j'ai eu en 80 fois, je crois, 70, je sais plus. C'est chiant de fou. Et bah voilà, vas-y, lui qui drop Charmy et sa carte. La même minute, genre, en même temps. J'ai calé 200 invocs sur les maillots de bain. La 200e, j'ai eu gauche. Avec le compte de Momo. Et la gauche en deux. Waouh. Gauche 2 étoiles. C'est pas mal. C'est dommage qu'il soit. Ce soit le pire des persos de saison, mais. C'est pas mal. Et normalement, pour les alertes, tant qu'on y est, j'ai changé ça. Quand il y a un follow,
Bah, il y a une petite, la petite alerte. Ça met des petits, des mini lance-flammes dans le chat. Quand il y a un sub, ça met des gros lance-flammes, bah, des moyens lance-flammes sur l'écran. Et c'est le follow! Bienvenue à Tristireba TV. Et il y a le TTV. Eh oui, le TTS, pardon. Mais qui. Et c'est le follow, mais t'avais déjà follow, à quel moment t'as pas follow? T'as unfollow pour refollow? Un fou, toi. Et gars, quand il y a un host, il pleut des emotes. Tu unfollow pour Tess, ah bravo. Ça va foirer mes stats, ça. N'importe quoi, toi. Attends, pourquoi j'ai un ping? Félicitations, vous avez gagné un nitro. Qui sort d'où, lui? Le bot ci-dessous sur un serveur un peu. Il faut ajouter un bot sur un serveur de plus de 50 personnes. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est un bot. Bah je report spam, hein, évidemment. Je report. Et je bloque. Et c'est fini. Voilà, ça dégage. On fout aussi. Hein. Genre des dingueries comme ça. Là. Voilà. Voilà. Les gars, n'hésitez pas à sub, hein, évidemment. Je m'achète des invocations. Et que je m'achète des patates parce que demain j'achète des patates. Demain matin j'achète des patates. Bon, j'ai la haine là. Ah, mais je vais peut-être pouvoir. Et oui. Est-ce que j'augmente l'ulti? Nandai. L'ulti de lui, c'est pas du tout ça. L'ulti, compétence. L'ulti de lui. J'en ai que 6. Alors, les trucs légendaires là, j'en ai 31. Et les trucs tout con, j'en ai 6. En plus, c'est ça qui est bien. Plus 20% d'attaque, 20% de dégâts. Non, c'est pas 20% de dégâts, c'est 20% d'attaque. Donc ça augmente de beaucoup. 20%, 5, 6, 7, 75. 175 de dégâts. Pourcentage de dégâts, attention. Les autres trucs, je les ai pas modifiés. De toute façon, je peux pas. Donc, ça veut dire que le truc de Noël. Je pourrais pas non plus. Je pourrais pas non plus. Eh oui. Offert à l'ennemi ciblé, malédiction aqueuse égale à 140% de son attaque magique. Ok. Et ça, la passive. Passive renforcement 2 et renforcement 5. Ouais. Ah, je sais pas qui il faut focus. Et je pense que Julius 5 est quand même à prioriser par rapport à l'autre. Ou comment je peux avoir les trucs. C'est pas ça. D'augmentation de compétences. Actualité. Non. 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 J'ai appris. Ok. Là-dessus, il y en a. Je peux faire 4 fois essayer de tomber dessus. Je peux essayer d'avoir ça. Vaincre le boss mondial, j'ai déjà fait. Compétences, je peux pas. Je peux pas. Pêcher, je peux pas, j'ai déjà fait. Cambousier de souvenirs 6, est-ce qu'il me reste 6? J'en ai 6, j'en ai que 3. Oudadal. J'en ai que 6. Hop. Hop, ça dégage. Ok. Ah, mais du coup, est-ce que je prends réellement Charmy? Oui. Gauche,
C'est pas grave. Wesh, il est même pas dans le A tiers. Donc c'est pas grave. On prend Charmy. C'est fait, ça c'est fait. Patrouille 50 fois, ok. 30 fois dans l'arène, chiant. Chiant, chiant, chiant. Y'a plus de son. Pourquoi y'a plus de son? Ok, j'ai une autre révélation. Bah déjà, on va continuer à regarder l'événement. Mais pourquoi y'a... Est-ce que du son? Derrière moi, normalement... Oui, c'est bon. Juste plus de musique. Donc ça, c'est bon, ça, on s'en fout, ça. Ah, il me faudrait 10 étoiles, en vrai, je peux peut-être, hein. Tenter ça. Mais bon, ça m'avance pas beaucoup. Ça, c'est tout fait. Ça, on s'en fout, ça, c'est tout fait. Ok, donc l'autre truc qui me vient en tête. Déjà, c'est de vérifier le temps restant sur le fight, là. En 3 minutes, on est où? Oh... Et comment il nous rattrape, nous triche. Dans les deux, dans les boutiques. Donc avant ça, on va aller dans défi. Normaux. Équipement. Donjon. On dit, on goûme lui. Avec nos teams de zinzin. Full rouge. Donc. Paria. Léa. Quoi, mes teams nuls là. De naze. On va dire full verte, full rouge, full moyen. Là, faut mettre que du bleu, que du bleu. Et j'en ai pas trop. Ils sont pas mal mes bleus là. Sol elle est pas mal. Un cul quoi. Du rouge, donc soit du rouge, soit du bleu. On peut tenter en vrai. Hein. Et je vais mettre Noël à la place de. Alors, bombarde, lui tu tempo, ensuite tu bombardes, toi tu shield direct, toi tu shield et tu bombardes. On tente ça, ensuite on fait l'expédition pour aller vite. Et voilà. Par contre du coup t'as biaisé mon compteur là, à 402 alors que t'as unfollow pour follow. J'ai dit bah se remettre mais il se remet plus du tout. Il est cassé. Comment Asta il peut prendre si cher genre. Ah ouais bon on a des soucis. J'ai pété mon compteur. Oh, arrête ton poil sur tout le monde, c'est pas trop mal. Ouais, je vais prendre Mimosa plutôt. Hein. Il faut du res par-ci par-là. Je pense que le combo Julius Mimosa, il est trop fort. Julius Mimosa Rades Noël. Je pense que c'est le combo gagnant de fou. Bon. Tu vas pas aller super vite sur le jeu. Parce que t'as quand même deux supports et deux assaillants. Dont un qui est mi-support. Est-ce qu'il est mort une fois mon Julius? Je crois pas hein. J'ai pas vu. Oh yes! Ah non, on meurt pas. Hein. C'est dead. C'est perdu. Ah, il faut que je monte 5. Je vais faire ce que j'ai dit. Je pense que là, on tient quelque chose. On tient quelque chose.
Tac, 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 et lui, Mimosa. Mimosa qui est verte dans un truc rouge. Pas vraiment bon bail. C'est pas grave. C'est pas grave, on va tenter. Faut se dépêcher quoi, c'est tout. Voilà. C'était vite, hein. Je fais des compétences, ping, 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 ping. Ok. C'est vrai que Noël est plus rapide que Julius. Noël est très rapide, hein. Elle est très rapide. Elle est pas mal. Niveau vitesse, elle est good. Ok, petit soin. Dead. Ok. Boom shield. Ult. Presque dead. Oulala Mourades. Oulala Mourades. Ok. Big soin. Un mort. Oh, il supprime le bonus, ça c'est trop chiant. Okay, je me soigne. Je me redéfends. Non, mais c'est qui reste mes persos? C'est mon mec qui reste, il est mort. Chier. Lui, il meurt. Il est pas mort. Genre, avec le poison, il est pas mort. Il veut utiliser son ult sur lui? Non, c'est bon. Bon bah c'est dead je pense. Ah ouais d'accord. C'est gentil peut-être un peu. Mais pourquoi t'attaques pas celui qui a moins de vie? Ok. Bon tant pis pour moi. Pour moi. Non mais ils avaient correctement joué mais pas tant au final. Hein. Et ça me saoule parce que moi je veux le passer en fait. Mais de toute façon je pourrais pas le faire auto. Au final ça sert à rien. Pour faire celui-là quoi. Je vais le faire pour que ça dure 20 minutes. Un peu moins. 18. Je sais plus combien de temps il reste. On va regarder vite fait. Vingt-cinq minutes. Le temps que j'y arrive. Donc on va mettre 24. 23. Oh, on met 20. On va mettre 20 parce que le temps que je me rappelle que je l'ai fait. Pour pas être sortir de là quoi. Allez, 22. Va pour 22. Voilà. Ensuite, le truc que je voulais faire, c'est aller dans les marchés. Dans les petits marchés. Et pourquoi pas faire le truc de casser les caisses pour trouver les clés, machin. Toto. Ah, c'est la fatigue, hein, putain. Crevant. Putain, quand on travaille à la ferme. Toute la poussière là, de fou qui. Tu croques des dents, genre. Tu t'appuies un peu dans ta bouche, tu sens tous les crépitements de sable, de poussière, de terre à bouffer là. Eh bien, mais faut pas bouffer la terre, il est totalement con ce type. Vous avez bien raison. Ne faites pas ça. Bon, y'a rien là-bas. Tant pis. Ah non, mais faut que j'aille voir le marchand. Mais il est où le marchand d'ici? Toulum, 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 toulum.
Est-ce qu'il en vend? Non, il en vend pas. Hein. Ah oui, j'ai tout acheté. Ça, c'est pas mal, mais parce que je veux. Ah, il y en a ici. Vite. Faut que j'y aille. Et c'est pour ça que c'est pas mal aussi les de faire d'augmenter les levels des lieux, des villages. Pour ensuite spammer comme un zinzin pour avoir plein de couronnes. De médailles, pardon. Et ensuite, tu vas voir le gars, il fait. Mais les gars, vous avez mes médailles? C'est comme sur Thread, j'ai vu. C'est une meuf qui est caissière et qui. Qui râle, qui voit un gars en fait qui passe devant tout le monde à la caisse. Et du coup la meuf dit mais monsieur vous avez pris pour qui? Vous attendez que quoi comme tout le monde. Ouais mais non excusez-moi mais j'ai 2 millions d'abonnés sur les réseaux en fait. Mais PTDR t'es qui en fait? Et le mec qui commence à se chauffer. Mais si tu veux t'es qu'une simple caissière, genre t'es qu'une caissière. Et oui et vendeuse polyvalente qu'elle raconte. Et du coup là t'as le vigile qui est arrivé, qui a recalé le gars et qui lui a demandé de partir. Et du coup il y a eu tout un débat, enfin un débat. Genre les gens qui disaient mais oh, fou furieux tu vois. Et un mec qui donnait en exemple aussi, c'était je sais pas dans quel magasin, mais une meuf qui arrive qui dit pourquoi vous me donnez pas de cadeaux? Pardon? Bah oui en fait j'ai 10K sur les réseaux, j'ai 10K sur Instagram, donnez-moi des cadeaux en fait. Mais l'audace des gens. Je pense je vais arriver dans un magasin quelconque. Lego Store, par exemple. Ouais, excusez-moi, j'ai 4 subs. Vous pouvez me offrir un pack Lego, s'il vous plaît? Voilà. Je pense que ça marche. Je sais pas pourquoi ça marche, fonctionnerait pas en fait. Monte pas en couille MDR. Ah ouais, mais c'est fou. Alors son jeu de maintenant, c'est abusé. Genre, c'est le fait que le gars, il ait eu la répartie. L'audace de dire à la caissière mais toi, t'es qu'une caissière, tu vois. Bah, oui, heureusement qu'il y en a, genre, c'est pour. Tu bats ta gueule. C'est tout quoi. C'est tout, viens pas nous saouler. Oh là là. De fou quand même. Et en fait, j'ai vu ça. Parce que t'as Antoine Daniel qui avait republié. Et qui dit. Bon, qui dit conneries comme d'hab. Hein. En fait, depuis qu'il est plus Twitter et qu'il est venu sur Thread, qui est un peu similaire au final. Il balance que des dingueries, pas comme si c'était tout nouveau pour lui comme réseau, tu vois. Il réagit à tout plein de trucs et tout, en mode parfois, peut-être pas premier degré, tu vois, mais... oh, mais c'est qui c'est con, oh, ta gueule, fameux oh, ta gueule. Il y avait repost ce truc en disant... ah oui, merde, pardon, c'était moi, mais bon... c'est pas gentil de m'afficher sur les réseaux, je m'étais déjà excusé. Mais qu'est-ce qui baringue? C'est là que j'ai vu le poste de l'autre, de la caissière. Ah ouais. Ah ouais, des terres. Monsieur Antoine Daniel. C'est un craquitos, lui. Hein. Bon, allez. Donnez-moi la pièce manquante du puzzle, s'il vous plaît. Non, non, mais c'est. Il est trop drôle, mais fait. C'est pas gentil de m'afficher en public comme ça. Ça m'a fait bien rire. Hop hop hop. Alors, suivant. Voilà, parfait. Parfait, il y en a plein partout. Ah, ça va terminer. Ah. Et puis le haut ta gueule, c'était pourquoi? C'était juste. Beaucoup de gens qui font justement. Oh, venez.
On se follow back tous, machin. Si vous êtes, si vous animez les animés, les mangas, fan d'audiovisuel, machin truc. T'as les fameux. Ah, j'ai tout pris là. Ouais. Comme oui, les entrepreneurs, si vous ne gagnez pas 6K par mois, vous avez raté votre vie, vous êtes des victimes, je sais plus quoi. Le premier truc qui répond, c'est oh ta gueule. Et puis après, il parle un peu, mais tout le monde s'en est foutu du message d'après. Tout le monde répondait avec des vocaux et tout. Ce serait, tu peux mettre avec des vocaux. C'est génialissime. T'as la transcription presque automatique, c'est hilarant. Y'a tout le monde qui est là, oh ta gueule. Et même sur d'autres posts random, parfois t'as des oh ta gueule, un peu comme le PTDRT qui de Jiraya en fait. De Gigi, Gigi le boss. Aïe aïe aïe. Bonne époque de Gigi. Ouais, bonne époque. Comme s'il s'était éteint, hein, le loulou, mais. Bon, palier, palier 22, 22 et demi, 22 3 quarts, 22 2 quarts, 2 quarts c'est 1 et demi. Au début, quand je suis après dans la première fois dans, dans cette ville, dans le jeu, je me suis dit, wow, c'est trop bien, on voit les autres joueurs qui volent en balai et tout. Et après, je suis revenu dans, la même ville et je fais, mais c'est trop marrant, c'est les mêmes joueurs avec les mêmes skins qui font les mêmes déplacements. Et là, je dis, ok. Ils m'ont bien eu, les loulous. Ils m'ont bien eu. En fait, pas du tout. C'est juste des animations en background, quoi. C'est sacripant. Voilà, mage. Est-ce que on améliore le truc de Noël, je pense. Je pense que ceci. Boum. 84, j'en ai acheté, mais j'en ai acheté trop en fait. Boum. Et bénédiction aqueuse, ben 20%. Ça aussi. Après, ça aurait été dingue de voir les autres, mais oui, le bordel. Ah bah oui, tu m'étonnes. Non, après, ça aurait été. Est-ce que je booste à fond ou je booste son ult? Non, tout est craqué dans son spell. Je mets tout. Voilà. Et son ult. Allez, son ult aussi. Et voilà, j'ai plus rien. Qu'est-ce que. Ah oui, c'était pour avoir ça. Ok. Oh, quoi, j'ai trop envie d'avoir la chaussette. Ouais, parce que je pense qu'ils auraient fait un système où tu peux voir les gens et tout. Ça serait. En fait, le jeu serait parti plus sur un genre de. Open World des MMO. Ça aurait pas été dingue. Hop, ça comp. Une fois. Ah, sa compétence 1. Une fois. C'est tout? La compétence 1? Je peux la up qu'une fois? Ben non. Ben non. Maragune, toi. Non, j'ai pas eu la chauchette. Ah oui, moi, c'est. Oui, bah c'est un truc, quoi. Ouais. Ah, j'ai plus beaucoup. Ouais. Hop là, bim. Et ouais, j'ai presque tout. Ça, c'est bon. Et là, je suis reparti à zéro. Ouais, je vais peut-être le faire. Hein. Ou Julius, peut-être. Parce que Julius, craquait. Est-ce que sa compétence 1 renforcement Ouais, et lui ?100% d'attaque, 50%. Mais en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont mis assaillant. C'est... Elle fait pas tant de dégâts que ça. Non, j'ai amélioré Julius. Je crois améliorer l'autre.
Oh, bah en fait, non, je peux l'améliorer de fou. Bah, de le fou. Peut-être que j'aurai assez pour l'autre, quoi, mais. Ah non, c'est juste que j'aurais dû augmenter la boulette. Non, je vais augmenter quand même. Boum. Voilà. Et puis, Noël aussi. Boum. Voilà. Et puis qui d'autre? Radès? Oh bah Radis il est niveau 3, 2, 4, 2. Ah oui merde, j'ai. Ah non, j'aurais dû améliorer Radis. Je suis trop bête. Tiens. Ah mais c'est parce que j'ai sa carte à Radis qu'il applique résistance aux dégâts augmentés. Niveau 5. Ah ouais, résistance aux dégâts de 45%. Putain. Ah, Radès c'est trop fort. Radès c'est trop fort. 42 400, je fais impossible à battre et on fait de mon Julius. Un truc de fou. Et c'est quoi ça? Sa compétence qu'on débloque? Ah, et provocation, c'est-à-dire que c'est lui qui tank tout. Ah ouais, ok. Pas trop mal, pas trop mal. Ah, il y a des bons trucs à faire. Hein. Il y a des bons trucs à faire. L'autre objectif, c'était développer 4 emplacements de talent. On y va. Bon, il va me mettre sur Asta direct. Ok, il m'a pas ouvert la page. Pourquoi pas? Donc, talent, on peut peut-être augmenter ici. Des 20%. Ou alors. On va augmenter les talents ici. Je pense attaque magique pareil. C'est mon popo. Popo il ouvre la porte, il fait vers de l'ordinateur. Ok. Après il y a mille flashs comme ça, bim, clairé la gueule. Je sais pas si on l'a vu, mais c'est très drôle. Bon, du coup, comment on a passé? Le repère. C'est les paparazzi, je suis un peu trop connu quoi, normal. On va voir Grey. Grey qui est toute bleue. Et on va prendre ça, et on en a 7, on en veut 3, voilà. Ok, ça c'est bon. Là on a une. C'est pas bon, là on a une. Il m'en faut 9, mais j'y aurais plus assez. Ici. J'aurais pas assez, en fait je peux pas du tout. Pas du tout, c'est chiant. C'est chiant, qu'est-ce qu'il me dit? Exploit. Ok, la poudre bleue. La poudre de perlimpinpin. Je peux au moins augmenter une stat de soutien. Stat de soutien, je crois que j'ai déjà débloqué. Ah non. Parce qu'un boss vous attaque ou. Def plus 4, résistance critique plus 2%, début d'une vague. PV max 7. Pourquoi 7? Non, 5. Parce qu'un boss vous attaque. Ouais. Def plus 20. Immunité au malus pendant un tour. Inférieur ou égaux 35. Non, trop précis. Bon, je partirai dessus. Hein. Def plus 4. C'est pas lequel je prends. De toute façon, faudra tout débloquer. Donc on va débloquer lui. Boum. Longévité.
42 800. Let's go. Là dessus on est bien. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est pour le mettre dans le jumeau pot. Ok. Du coup bah plus que 3. plus que 3, ouais. Donc je vais devoir spammer les autres trucs, hein. Hop. On tente la chaussette. Ok. La chaussette. Chaud, 7, chaud. Ok, c'est si c'est le bon. Chaud. Est-ce qu'il m'en kick-in, lui, hein? Il veut pas, en fait. Là-dessus, ça sert à rien. Défi normaux. Il me saoule. Hop. Stop. Et c'est un peu nul. Graine de talent. Talent rouge. Et on va essayer de rouler sur la team. Ok. J'ai pas assez. Pourquoi y'a Ria déjà? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Rouge, on met lui. Rouge, on met lui. Et. Pas bien comme ça. Ah, j'ai pas mon défenseur. On va tenter. On va tenter comme ça. Shield. Lui, il fait quoi lui? Neutralisation pendant 2 minutes. 2 tours plutôt. Et ça c'est quoi? Pas fou, et ça c'est quoi? Mobilité réduite, ouais, je sais pas, ult. Lui on tempo, lui on bombarde. Il faut aller le plus loin possible. Comme ça on lance une expédition. Et on a plein de graines de talent. Ça nous permet de débloquer plein de talents. Et voilà. Mais je pense que juste avec mon. Ouais, je pense que j'écrase tout en fait. Même si j'ai pris Lotus qui est pas haut niveau. Qui est pas opti. Je sais même pas il a quoi comme stat Lotus. 21 000 c'est pas mal. Et que la attaque 1, c'est bien je pense. Et... Il a tapé 246 000 ou 24 600. Je sais pas. Et c'était beaucoup. Oh, il aurait pu le one shot. Hein. Il aurait pu. Mais tape celui qui a plus de vie. Oh là là. Ok. Ils sont trop forts. Bon, et Julius, avec son spell 2 d'attaque de zone, est trop fort. Surtout qu'en plus, quand tu fais. Si t'as d'autres persos plus rapides. Ah non, mon ton Julius, il est censé taper en premier. Mais. Si tu fais l'ult. Oui, de virer lui, mais il est quand même utile. Si tu tapes, si tu utilises l'ult et que tu tues un ennemi, tu vas rejouer. Qu'ensuite, tu utilises ton spell 2. Trop fort. En fait, mon star joue trop tard. Pour profiter de son ult, un star est trop tard.
Boum. Mort. Boum. On joue. Efficace. C'est quand même bien. Faut que je monte mon lotus. Et je pense que là... En fait, la team définitive globale... Ils font mal, eux. Ça serait Julius, Lotus, Noël et Ria. Moins 1. Oh non, ils vont plus le tuer. Merci. Et voilà, trop lent. Baisse de vitesse, plus vitesse augmentée de Julius. Trop fort. Bon là je pense qu'ils meurent hein, les deux. Surtout Lotus. Lotus il est dead. Voilà. Ok. Dead. Je revis. Boum, il a fait 0 dégâts, je suis mort. Ok. Je vais enlever Lotus et je vais mettre je sais plus qui. Lui va se faire défoncer, c'est sûr. Riga, c'est sûr, il va se faire défoncer. Mimosa aussi. Non, ouais. Ah. En fait, comme ils sont verts, c'est un peu chiant. C'est pour ça que Charmy est bien, parce qu'elle est pas verte, je crois, elle est bleue. Mais on va tenter comme ça. Parce que Mimosa. Elle se heal tous les tours grâce au truc que je lui ai mis. Ouais, tous les tours plus tous ses spells soign plus shield plus immortel plus quantité PV astronomique plus attaque magique élevée donc soin élevé trop fort. Je tente comme ça puis si ça marche pas j'enverrai Mimosa. Marche pas j'enverrai Mimosa. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ok, ok. Ok, ok. Hop, voilà. Ouais, en plus tout le monde est focus sur Hades. C'est parfait. J'aurais dû augmenter l'ult. Tant pis. Bah, semaine prochaine, je rachète tout. Hein. Je fais la blinde de mission. Et je rachète tous les trucs de compétences. Plus tous les points de la guilde, plus le truc de la guilde hein, au final. Hein. Ça fait un petit paquet quand même. Oh, j'ai pas vu, mais il est tête mon Hades. Il est tête mon Hades. Non, rien, il peut pas mourir. Il peut pas mourir comme ça. J'essaie avec Mimosa. Ok, shield. Nice. Boum. Oui, ils attaquent le tank. Boom, il est pas mort. Chier. Utilise son second là-dessus. Il dead. L'autre, il dead. Je pense que je peux. Il fait trop mal. Moins 1, super. Mais stop en fait. D'accord. C'est bon, nice. Tellement rapide. Tellement monstrueux, Julius. Non mais Julius. Julius est trop fort. Il n'y a pas de. Et voilà, parfait. Un truc rare. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Il n'y a pas. Pas tergiversé en fait. Voilà, et enfin je débloque ça. Ouais, je pourrais presque. Hein.
Vas-y, le temps que je fais mes autres trucs. Balance ça. Oh, 50 minutes, c'est trop. 20 minutes. Voilà. Compagnie. On a gagné la guerre. On a gagné. Piou, de peu, hein. Il a terminé. 223 000 contre 27 000. Mais ils ont pas joué du tout. Oh, c'est de fou, hein. On a 212 000. J'en ai viré 3 de la guilde en, entre-temps. Bah, quoi ? On peut entrer dans l'étain ? Oh, je peux pas voir. Et c'est pas fini ? Ah, calcul en cours. Aucun point ne sera attribué pendant le processus de calcul. Récupérer toutes les récompenses de points avant la fin du calcul. Les récompenses de victoire seront disponibles, les récompenses finales. Ok. Non mais l'autre avec ses 200 000 points solo là, je comprends pas. C'est un truc de fou. Parfait. Ah c'est pas mal mais 300 bots là. Ça fait beaucoup hein. Ouais voilà. Pas grave. Et c'est fou que ils aient pas joué le, vos adversaires. Quoi, tu joues un minimum quoi. 80, c'est trop. Un minimum, même si tu vois qu'en face ils sont plus forts. Essaie de choper quelques récompenses. Ok. Alors, ah oui, j'avais des consommables à utiliser. Équipement aléatoire RALR. Nul. UR à LR, ça c'est bien ça. Forcément un UR. Oh, c'est les accessoires en plus. C'est trop bien. Ah, c'est pour le boss mondial, c'est excellent. J'ai pas mon plan de perso. Ah bah tu m'étonnes. C'est la team en face qui fait nimp. Et pourquoi c'est parti? J'ai pas le temps de cliquer dessus. Bon, c'est pas grave. Alors, graines de talent. Prends tout. Boum. Ça c'est worse. Obtenir une pierre d'enchantement de votre choix. Pff, c'est de la merde. On verra plus tard. Ça j'en ai 9 et ça me donne tout ça. Oh, 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 oh. Oh, c'est incroyable. Ce que ça va me donner, c'est incroyable. Requis pour cuisiner. Ok, parfait. Ensuite, sélectionner une page de compétences SR. On verra plus tard. Artisanat, ok. Ça c'est pour jouer. On verra plus tard. Une pierre de choix. Choix. Attends, c'est quoi? Pierre d'enchantement. Truc normal. Ouais, pas fou. 36 bonnes endurance, bordel, comment tu accumules autant? Coucou. Oh, coucou la galette, comment ça va? En fait, c'est. Ouais, c'est celle de base. Je les ai pas utilisées, mais j'y garderai quand ça sera utile. Et du coup, j'attends de tomber à zéro, comme ça je réutilise pas. C'est vrai, toi, ça va, ça va. Je vous ai pas oublié, hein, je vous promets. Hein. J'ai tout fumé. Non, je suis un peu trop petit pour le coup. Mais que pour ça. Hein. Et encore. En fait, j'ai capté tard. Mais oui, mais non, mais faut pas être triste. En plus, j'ai fait la mage de Valo il y a pas longtemps. Je dis comme ça, dès que j'ai un peu le temps, je pourrais rejouer. En plus là, je suis chez mes parents, donc je suis au petit, entre guillemets. Un plus grand écran et tout.
Pikachu joue plus à Valo. Oh non, il joue à l'autre truc de con, hein. Un truc au hasard. Et qu'est-ce qu'il joue alors? Tu joues encore toi? Ah, je me suis dit, vas-y, je vais jouer et tout. Nul. Nul. Pas trop dégueu, mais je l'ai déjà à fond. Non, il joue MW3. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil. Pièce de mage. Non. Page de compétences. Tac, 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 tac. New. Ouais, bah oui, je l'ai déjà à fond. Déjà à fond. C'est con. Du coup, tu joues à quoi, Galette? Code 9, sinon. Bah écoute, pas grand chose. Moi, Valo. Nice. Pas grand chose, je pense, hein. Mais toute seule. T'inquiète. Je vais venir. Non, mais je pense parce que tu l'as dépassé au niveau de skill. Il a pris le seum et. Et voilà, c'est sûr en fait. C'est sûr que c'est ça. Pas ce soir, j'ai fini de venir. Ah oui, non, non, t'inquiète. De toute façon, je suis crevé de ma journée. Mais ouais, j'ai pas oublié. Après, MW3, flemme d'y jouer. De toute façon, je l'ai pas. Comme ça, c'est réglé. Ah, je peux l'améliorer, lui. T'es monté quel rank sur Valo? Faut tellement de skills maintenant. Hein. S3 MDR. Ah oui! Ouais, t'es bon de skills, ouais. Ouais, le skills, en fait, tu l'as condensé, le skills, et je pense que t'attends un bon mate pour... bon mate, sorry Bigules, hein. Pour exploser le leader, quoi. Boulou, ça va, t'as chier. Bah oui, écoute, tout baigne, hein. Moi, je suis solo. Cholo. Cholo, t'es de cholo. Solo chez mes parents, parce qu'ils ont un big chien. Puis ma copine elle aime pas les big chiens. Un bosseron. Ce truc fait ma taille. Moi je suis assis. Mais assis il est plus grand que moi. T'es un bête féroce quoi. Est-ce que j'en prends deux doublons? On sent rien. Hop, on va prendre lui. Puis boulot ça va. J'essaie de faire des trucs bien. Ah mais t'es ici alors? Oui? Oui c'est ça. D'ailleurs je vais au massif mercredi. Avec la famille. Tu dois connaître. Là tu te rappelles de tout mon background. Truc de fou hein. Je vous invite à leur FDR. Alors... Alors, vu le tarif. On habite juste au-dessus. Mais non. Oh, le truc de fou. Mais non, mais tu trolls, c'est pas possible. Je jure. Non, je crois pas. Je crois pas, c'est pas possible. À quel moment? Eh bah écoute, quand j'arriverai devant le resto, je ferai coucou. Je ferai coucou aux fenêtres du dessus. Et voilà. Et moi je vais pas te reconnaître, je pense. Mais la vie de mon chat aussi, c'est vrai. Eh bah si tu veux fuir sur la vie de ton chat. Tu nous as jamais vu. Bah ouais. Je vais venir au massif, tu verras. Bah je crois avec ma famille. Oh. Ou alors tu viens, tu nous payes le resto, mais. En fait, j'ai presque tout complet là. Moi, bah, je ferai coucou quand même aux fenêtres.
Au pire, s'il y a ton chat proche de la fenêtre, je checkerai. La probabilité quand même. Bye. C'est vrai que... quand même full proba depuis qu'on s'est rencontré... online, quoi. On n'est pas au-dessus, mais juste à côté. Et juste à côté au-dessus? Ou juste à côté? Genre si je me foire de porte du resto, rentre chez vous. C'est ça? Ah lui il est pas à fond. Lui. Hey, clic. Voilà. Voilà. Satisfaisant de compléter des trucs à 100% là. Aïe aïe aïe, j'adore. Genre j'ai l'impression d'être trop fort, d'être tellement avancé dans le jeu alors que... Alors vraiment pas du tout. Ça c'est nouveau ça? Mais non. Ça c'est nouveau. Bah, faut le loquer ça. Bon. Ça dit quoi? Oh il est pas full. Oh bah parfait. Let's go. Ouais je te laisse, je vais au dodo, bon live et à plus. Ah, bisous galette. A plus. C'est trop drôle, coïncidence de zinzin. Une bonne nuit. Pourquoi ça me quitte à chaque fois? C'est chiant ça. Tac 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 tac. Alors... Est-ce que tu fais ça toi Tristan? Que tu boostes les pages de compétences? Toujours pas niveau 5 celle-ci hein. Le fou. Ah. D'ailleurs, je suis en train de le faire aussi. Excellent. Ça, c'est le live de la coïncidence. Mais tu gardes que un doublon que tu montes à max. Enfin, qu'un doublon. Qu'un original que tu montes à max. Ou t'en gardes quelques-uns en plus. Mais genre, j'ai eu la même réflexion que toi sur le fait que ça vient tout à chaque fois. Ah oui, c'est trop chiant ça. Recule, t'aimerais bien retourner sur la page de tout quoi, mais non. Non, ils ont pas envie. Du coup, t'es obligé de cliquer sur ce petit truc là, de retourner là où tu veux, de retrier comment t'as trié et tout. Regarde un ou deux s'il est intéressant. Ah oui, ok. En vrai, je devrais garder des doublons des SR, mais les R, je m'en fous. Les R, je m'en bats les steaks. Je les monte 5 étoiles et puis basta quoi. Donc tout ça c'est fait. Lui là. Bah lui c'est elle. Nebra Silva. Elle est forte elle. Nebra Silva elle est pas mal. Si tu peux l'augmenter, faut l'augmenter. Mais c'est pas une priorité quoi. Lui je suis full. Full 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 full. Ok. Donc dans mon inventaire, c'est celui avec les fruits que j'ai pas lock. Voilà. Ensuite, ouais, on va tout là-bas. Ouais, on va voir Gordon. Boum, on recycle. Boum, les R en vrai. Ouais. Super réussite. Super réussite, let's go. Encore. Encore. Boum, super réussite, let's go. Encore. Encore. Boum, super réussite, let's go. Je sais pas quoi ça sert, mais j'adore. Encore. Réussite nulle, décevant. Petit exploit au passage. 60 poudres de perlimpinpin. Je sais pas vraiment à quoi ça sert la poudre de perlimpinpin. C'est pour créer des équipements, non?
Fabrication de pierre. Ah oui, c'est ça. Pour créer des pierres. Mais combien des pierres? 85. Des pierres normales bleues, 200. Et là, 800. Je peux en faire que 16 avec tout ce que j'ai. Et les rouges? Oh, comment j'en ai autant des rouges là? Ok. T'as pas l'air super worse d'en faire 3. T'as pas l'air worse d'en faire 3, je vais peut-être pas en faire 3. Peut-être pas en faire 3, mais je vais faire les autres. Non. Putain. Créer de l'équipement? Non. La mienne, c'est que le bouton. Fabriquer de l'équipement? Toujours pas. Exploration de grottes, confère fortification. Les PV sont inférieurs à 50%, confère une barrière égale à 4% de PV max pendant 2 tours. Tant que la barrière est active, confère 10% de dégâts subis résistants. C'est quoi fortification déjà? C'est pour up les accessoires, ça. C'est assez chiant à avoir. Ouais, bah, je suis d'accord. Genre, je crois que c'est dans la voie du mage. Une quête, c'est. Fabriquer 4 gemmes pour accessoires. Et qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que j'ai galéré à les avoir. J'ai farm pendant des heures et des heures le truc des accessoires pour avoir assez de trucs pour les démonter. Là, ici, là, hop, démonter. Pour avoir assez de trucs comme ça, pour avoir assez de poudre magique rouge qui drop entre 0 et 30. Mais c'est plus rare, donc c'est trop chiant. Fabriquer 5 pierres. Ah, c'était pas 4? Les 2 sur 5. En fait, une fois que t'as passé ça, c'est super rapide. Une fois que t'as passé ça, c'est super rapide. Genre. Ah oui, c'est là. Ici, il faut que t'en fasses 5. Ensuite, fabriquer de l'équipement, j'avais déjà. Et l'herbe douce, j'avais déjà. Et déjà. Fabriquer, ça a été très vite. Salution 35, c'était déjà fait. Ça, c'est, je l'ai fait super vite. Ça, je l'avais déjà fait. Ça, je l'ai fait vite fait. Ça, je l'avais déjà fait. Ça, je l'avais large déjà fait. Ça, je l'avais déjà fait. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps. Ça, je l'ai fait pas longtemps. Tout va super vite, tu vois. Après, ça, j'ai déjà fait. Et faire éclore 3 emplacements de spire culté. Donc, ça va être très chiant. Le dernier va être très long. Mais Et voilà quoi. Développer 4 emplacements, ça va aller avec le temps. Du coup, je pense que je vais faire les petits trucs. On va faire 1000. J'en ai combien? 900 plus. Bah, je dois en avoir 1500 peut-être, hein, comme on dit genre. Pour en faire 20, j'en ai combien? 800, voilà, c'est trop. Pour en faire 16, j'ai 80. 200, ouais, je vais en faire 16 ici. Boum! Voilà! Oh là là, deux brillantes en plus. Là, je peux en faire une. Ok. Et j'ai fait un nouvel exploit. Bien. Un de 60 trucs comme ça. Oh là là, mais ça va jamais s'arrêter. Et voilà, j'en ai 60. Ah, c'est des brillants, ça veut dire que j'en avais pas. Puisqu'il vient de m'en donner 60. Ah, c'est marrant. Récupérer 400 pages de compétences. Renforcer une page de compétences encore 3 fois et j'ai ça. Pas mal. 3 fois une page de compétences. Oh, bah, ah oui, mais j'ai tout vendu. Je peux plus.
Peux plus. Peux plus, je suis bloqué. Ah non. Ah, quoique. Ah, ça veut dire qu'il m'en reste. Ah oui, j'ai pas vendu les doublons d'ici. Donc je peux le faire 3 fois. Mais le R, on s'en fout. Le R, c'est le S, quoi. Comme on s'en fout, je vais les vendre aussi. Hop. Boum, Gordon. Hop, on clique ici. On sélectionne tout. Et on recycle. Réussite, c'est nul. Super réussite, c'est mieux, mais j'en ai pas beaucoup. Ok. Purée en double, parfait. Hop. Est-ce que j'ai un truc qui tournait? Ah bah terminé, c'est parfait. 8 en plus, c'est parfait. Je vais pouvoir améliorer un truc de ma Noël. On va augmenter attaque magique. Et hop. Et taux de critique augmenté, bof, bonus, machin. What? C'est chiant que dégâts infligés soient aussi loin. Pas le changer moi. Non, je peux pas. Soit aussi loin de dégâts infligés quoi. Non. De attaque magique. Après je comprends, parce que si tu mets des trucs les plus craqués direct, c'est chiant. Alors que là, on doit choisir à chaque fois entre 3 au final. C'est soit ça, soit ça. Et il faut que je transfère 35 900. On va voir combien ça me fait après. Gray, youhou. Ah, j'ai trop de trucs. 210, oh là là. Brillante, je peux faire des chicas, trucs de fou là. Et. Boum, 17, trop. M'en faudrait 15. Ah non, je peux plus. M'en faudrait 5. Voilà, comme ça j'en ai 10. Ici, 6. On aurait 4, c'est parfait. Et ici, 5. Oh, ça arrive à la bourre. Non, il m'en faut 20, non? Il m'en faut 20, c'est-à-dire que si... si je fais ça... Bon, 6. Pas assez. Donc, notre Noël, elle dit quoi? 35 900. On va améliorer son talent. Je pense qu'on va prendre... Taux critique. Bonus de 10% de dégâts infligés à l'utilisateur. Après avoir attaqué un boss ennemi. Donc, c'est ceux des dernières vagues. Et les big boss quoi. Donc en vrai, c'est après avoir attaqué. C'est un peu chiant, c'est-à-dire que t'attaques, faut pas que tu meurs après. Normalement non. Et ensuite tu rattaques et tu fais plus de dégâts. À coup de 10%. Prends ça. Boum. ou 900 en été. Donc on a gagné 350. Pas trop dégueu. On va continuer surtout pour améliorer non pas le bleu mais le vert.
Voilà. PS plus 1, si t'es moins de 2 au début du tour, sans reçu plus 5, immunité au malus, après avoir résisté avec succès à des dégâts. Ah ouais, la condition est chaud. Hein. Condition est tendue un peu. Précision et pénétration. Je sais pas. Et ça, ça a l'air pas mal ça. 20% de chance d'appliquer un bonus de récupération de compétences accélérées de 1 tour au début de votre tour. Pour le droit, il faut le reset de la compétence 2. Ouais, c'est celui-là du coup. C'est celui-là. Ça, c'est pas mal. Mais 20%, c'est pas beaucoup. Hein. Et hop. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Est-ce que je peux encore? Pas du tout. Est-ce que je peux ici? Pas du tout. Est-ce que je peux ici? Pas du tout. Oui, je sauvegarde. Boum. 36 600. Nice. Une chance sur 5, ça va. Ça peut te sauver une game. C'est vrai. Faut avoir quand même des bons timings, quoi. Allez, on veut la chaussette. Oh, qu'est-ce que c'est lui? Oh, 7, chaud. Allez, on veut la chaussette. Ah, la chaussette. Oh, c'est très bien, mais moi je voulais la chaussette. Oh, c'est vrai que j'ai totalement zappé ce truc. Il reste combien de temps là? 9 jours. 9 jours pour... C'est combien ici? 185 000. Alors, en vrai, avec Noël, je pense que ça peut le faire. Et lui, j'ai vu dans la tier list, le Astameo de Bain, qu'il est saison 2 et saison 3. C'est-à-dire qu'il réapparaîtra après... Ou alors j'ai un gros. Soit. Let's go. On avance d'une vitesse. 4 emplacements, c'est bon. Graver une pierre sculptée dans un emplacement de talent une fois, c'est bon. Et 3 emplacements de pierre sculptée de talent. C'est très très long à faire. C'est très très long. Il y a mon Rades. Qui a déjà pas mal de choses ici. Je pense qu'on va se focus sur le bleu. Mais je pense que demain matin, j'aurai du mal à me lever. Doum papoula pipa pim pim pididou da doum papididididou didoum doum pidoum doum da doum. It was a new weekend, so did the last man. Da da di da di. Ouais, chanteur. Chanteur jadis. Ami, je sais pas si j'ai envoyé des cadeaux. Même pas envoyé mes cadeaux. En compte, la honte. Honte à moi, j'ai même pas envoyé les cadeaux. Ah. Est-ce que j'ai gagné un truc intéressant? Non. Allez, je filoche. Bye, ça marche. Ça marche, Chris. Bonne nuit à toi. Et bon, fais de bons rêves de Julius. Oh là, pas des cadeaux. Si, j'ai envoyé les cadeaux. Il m'a dit aucun cadeau à envoyer. J'ai déjà fait. Donc ça, c'est bon. Donc on va farmer le Cubitus Radius Omega Plexus. C'est-à-dire... communément appelé graines de talent. Et on va focus le bleu ou le rouge ou le vert. En vert et contre tous, on va faire le rouge. Je pense on peut rouler sur le rouge. Mais mon Rades va-t-il mourir?
C'est ce que nous allons voir. Alors, toi tu shield et tu bloques. Toi tu shield et tu bloques. Toi tu time et tu bombardes et tu bombardes et tu time. Bon, c'est pour les bons termes, hein, mais... voilà, on va pas tergiverser. Moi aussi, je t'abandonne, sinon demain matin, je suis déjà en train de dormir. Quoi? N'importe quoi, toi. Justement, si tu dors plus tard, tu travailles plus tard, donc t'es moins fatigué, donc tu tiens plus longtemps. C'est quoi cette logique, là? Ah, mais ça marche. Abandonne-moi. Pas de soucis. Super. Bon, ça me force à rester, là. Oh non, mais chacun sa strat, je comprends que... Vas-y, va faire que plus ici maintenant. Non, mais si c'est ta strat, c'est ta strat, hein. Y a pas de soucis, quoi. Après ça, tu proposes tout de suite. Tu te réveilles tôt demain matin. Et t'es fatigué tôt demain soir. Moi, je reste un peu. Ouais. Tu veux pas jouer au jeu? Mais si je m'endors devant le stream, je veux rien entendre. Ah, tu veux que je me mute? Je me mute pour que tu puisses dormir? Tu te berces par le son du gameplay? J'avoue que c'est... C'est quand même pas mal. Entendre mes personnages qui meurent en boucle, parce que je suis un gros forceur et je relance la même game tout le temps avec les mêmes persos. Non mais je veux pas t'entendre râler que je me suis endormi. Mais non, mais va dormir, c'est pas grave. Après, si tu veux me chanter une berceuse. Au clair de la lune. Voilà, après, j'ouvre voice mode, je te mets une petite air en fond, et puis je te fais une berceuse à l'autotune, hein. Magnifique, et ouais. Non, mais voilà, ça sera pour une prochaine fois. C'est une petite référence. Bon, pourquoi je meurs là? Pourquoi je vis? Pourquoi? Qui meurt en premier en fait? Pourquoi je comprends pas. Morades, il meurt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour pas qu'il meure? J'aurais bien mis Mimosa. On va mettre. Non, il faut mettre les deux. Il faut mettre les deux. J'enlève lui. Non, mais t'inquiète, je reste encore un peu. Juste possible que je m'endorme. Ça marche. Alors, attends. Dès que tu t'endors, tu t'envoies un message. Tu dis ok, Flo, je dors là. Et je baisse mon son. Ça marche? Donc alors, notre Noël, qui est, je vais t'expliquer vite fait, concept du jeu, y'a des persos, t'inquiète je fais ça, ça marche. T'as des persos qui sont assaillants, donc des mecs qui attaquent, donc ils ont moins de PV, ils ont moins de défense, mais ils ont plus d'attaque. Donc ils font plus mal, mais ils risquent de durer moins longtemps en combat, parce qu'ils prennent cher. T'as des soutiens qui ont pas mal de vie ou de défense et qui font pas beaucoup de dégâts, mais qui aident ceux qui font les dégâts ou les autres gars de la team. T'as les mecs défenseurs, donc eux ils boostent les stats en mode bonus par-ci par-là et ils sont super solides. T'as les guérisseurs, un peu le mix des deux. De soutien et défenseur, c'est que ils te donnent des stats mais ils te heal quoi, et eux-mêmes ont beaucoup de PV. Et du coup elle, Noël, elle est attaquant mais elle fait beaucoup de bonus à l'équipe. Elle a mis une protection, elle peut contre-attaquer, elle met une protection, et si cette protection c'est un certain type, en fonction de son attaque, tu peux contre-attaquer si tu tombes. Mais leur prénom me perturbe trop de base. Noël, Mimosa, Julius et Rades. C'est sûr, c'est pas les plus...
compréhensible entre guillemets. J'ai l'impression que tu parles de Noël. Non, c'est Noël de Zelleux. On a voir avec Noël. Alors là, pas du tout. Et Julius, que tu parles de Jules. Ah oui, mais non, mais Julius, c'est approprié Julius, mais c'est pas Julius, Jules. Ou Jules n'est pas Julius. Donc, comme c'est une attaquante qui booste, je lui dis de booster l'équipe avec sa compétence 2. Et ensuite, ulti, compétence spéciale. Mimosa, elle est heal. Donc, je dis compétence 1 au premier tour. Ensuite, compétence 2 après. Et compétence spéciale encore ensuite. Parce que je peux faire ça, mais je sais. C'est con. Parce que elle ressuscite les morts. Bah, un mort. Donc faut pas qu'elle utilise trop tôt son ulti. Sinon elle ressuscite personne puisque personne est mort. Le Julius, Alpha Mosso Julius. Lui c'est un gros attaquant de lumière. Voilà, magie de lumière, trop fort. On lui dit de tempo un petit peu, donc de faire une autre compétence qui attaque tout le monde, tous les ennemis. Pour attendre tempo. Bonjour, j'ai eu Sally, tu sais si elle est bien. Sally, elle est pas trop mal, mais c'est pas la meilleure des persos. Et bienvenue à toi, hein, Shinigami, évidemment. C'est bon soutien, mais c'est pas un truc à prioriser, quoi. Si t'as Rades, Ria, Julius, ça va parfaitement. Parfaitement bien, j'espère que ça va aussi, toi. Et si t'as Julius et Noël, là c'est les deux à monter. Là. Là c'est les deux à obtenir et les deux à monter de fou. De fou, fou. Tu les bombardes. Sally, ça me fait penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, Sally, c'est qui? C'est qui Sally? Je sais plus. Vraiment? Leur prénom ça va pas. Si, ça va en vrai. Donc Julius, son passif, c'est que quand il meurt, il ressuscite. Donc plus l'autre perso qui ressuscite les morts, Julius il revit deux fois. Voilà, c'est tout. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. C'est un truc de fou. Et quand il est monté à max, c'est la fille avec Jack, je me disais bien. Quand il est monté max, donc résonance, c'est renforcement, R5 quoi. 5 étoiles, sinon, peu importe que vous voulez. Il se ressuscite avec 100% de ses PV. C'est-à-dire c'est... Il est mort? Non. Erades, big défenseur, ulti pour mettre un shield de 30 000 et compétence 2 pour taper un petit peu tout le monde et donner double résistance à tous les alliés. Voilà, on va faire ça. Voilà, j'ai vendu les trucs gigastrat machin, mais je vais mourir tour 2, ok? Tour 2, je meurs. Pourquoi? Parce que je suis ambitieux sur le truc. Donc là, ça me met le shield. De fou. Deuxième shield. Attaque sur tous les ennemis. Là, ils m'attaquent. Ils me font presque zéro dégâts. Sauf le dernier, parce que je suis en vert. Du coup, t'as les rouges qui font mal au vert, les verts qui font mal au bleu, les bleus qui font mal au rouge. Voilà, c'est les Pokémon. Boum. Là, je les défonce. Machin, la soigneuse elle me soigne. Petite attaque normale. Petite attaque normale. Lui il veut mourir à droite. Mais c'est pas grave parce qu'on a Mimosa, attention. Bim. Rez. Incroyable. Boum. Attaque globale. Big shield. On réattaque. Boost de défense. Mimosa, quand elle attaque, elle soigne nos persos. Un des persos qui a le plus faible ratio de PV. Ult de Rue Julius. Étourdissement, donc le mec joue pas. Et je contre-attaque, voilà. Vague 2. Boum. Et pendant tout ce temps-là, tous les tours qui sont passés, Mimosa, donc la soigneuse, a le temps de regagner son ult pour re-raise quelqu'un d'autre qui va mourir. C'est-à-dire Rades, le mec à droite là. Lui il va mourir. Et pourquoi il beurre facilement alors que il est hyper solide? C'est juste que bah déjà j'ai pas la puissance nécessaire pour ce niveau.
Mais en plus, avec ce qu'on a dit juste avant, avec les faiblesses, comme ils sont rouges et que mon perso est vert, il se fait défoncer. C'est le feu contre le type plante, tu vois. Hop là. Là, elle booste tout le monde. Dommage, mon Radès est déjà mort. C'est pas grave. Bon, ma Mimosa, elle est trop forte. Elle se heal tout le temps. Donc là, il a utilisé son ult. L'ennemi est mort, il a rejoué. Ça aussi, c'est fort. Boum, là, attaque tout le monde. Lui, il est super rapide, il re-attaque. Ils sont balestés. Boum, Robichil. Oh, c'est trop fort. La Mimosa, elle va bientôt utiliser son ult dans un tour. Faut pas qu'elle meure. Bon, mid life avec l'ult, c'est pas mal. Oh. Ah, c'est dead. C'est perdu. Hop, il revit. Et non, c'est pas perdu en fait. Sauf que si, c'est évidemment perdu. Quoi? C'est dans quelle zone? Le 59. Aucune idée. J'ai un peu la haine là. J'ai perdu. Chier. Faut que je pousse mes persos, ils sont pas assez forts. On va faire les autres. On va faire lui. C'est pas chez nous? Peut-être. Il rip au passage. Oui, j'ai un peu la haine. 59. Ah, c'est par ordre alphabétique. Donc 54, 55 ouais, ça fait loin, 59 quand même. C'est M, c'est après les M quoi. Il est donc là, comme ils sont bleus, il faut du vert ou du bleu. Donc notre petit Asta ici présent, il va prendre cher. Donc je peux balancer Mimosat. T'attaques à mener ça. C'est un peu ce que j'ai dit hein, au final. Donc là, tac bim bim. Lui, il sert à rien. Il sert à rien. On va mettre Lotus. Ah, j'ai passé. À l'aide, à l'aide. Je vais le booster un peu en niveau. Il passe de niveau combien? Je sais pas, il gagne un niveau, ennemi, plus. Super. Équipement. Parce que c'est équipement de merde. Équipé automatiquement. Défense. Défense. Boum, on a perdu en puissance. Chier. Si on met full défense de zinzin. Boum. Oh, plus 3000. Oh là, on est bien. Là, ça nous a mis bien. Je sais pas, t'as trouvé ce que c'est? Toi tu utilises ça, toi tu... C'est la région du nord. Ok, et plus précisément, que ça aide pas beaucoup hein. J'avais même pas qu'il y avait une région qui s'appelait comme ça. Ah, c'est le nom? Région du Nord. Ah, je sais pas non plus du coup. Attendez. Région du Nord? Ou c'est juste le Nord? Yes. Département du Nord, my man. Ok. Ah putain. Donc là, mon Radès, il devrait beaucoup mieux tenir la route.
Oh, Shinigami, il est parti. Dommage. Avec l'île pour préfecture. Ok. Département du Nord, 59. Et pourquoi tu me demandes ça? Qui tu sors d'où le 59 là? Ok. Le petit monsieur qui est venu furtivement pour Sally. J'en monte la con vite fait. Ah oui, ouais, c'est marqué dans son pseudo, effectivement. Quelle traqueuse, quand même. Non, c'est quoi, ça? On évacue combien, là? 2 sur 3? Ok. Ça va. Eh, mais c'est bleu. Pourquoi j'ai pas mis Julius? Pourquoi j'ai pas mis Julius? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme une petite immatriculation, j'aime bien savoir d'où viennent les gens. Ouais, j'aime bien aussi faire ça en vrai. Petite immatriculation, je fais... C'est quoi 33? La Gironde! Je sais même plus si c'est vraiment ça. Ouais, elle est trop bizarre son attaque. Le petit Rez qui sert à rien. Pium pium pium. Tu sais, j'ai... Pour la vidéo, d'ailleurs la vidéo a dépassé les 100 vues. Bravo, félicitations, merci à vous. J'ai déjà du mal avec les numéros de département de Lorraine. Ouais, j'avoue. Ah non, mais pff, trop de chiffres. Et j'ai... Eh ouais, t'as vu ça? Et sur ce thread, il y a un pote que... Bah, oui, c'est mon ami. C'est juste que... il avait un an de plus, et puis il était avec un groupe de potes, et puis ensuite on traînait ensemble. Voilà, en fait, c'est un pote d'études, quoi. Mais c'est mon pote. Ah, vas-y, trop de sujets dans ma tête. Allez, c'est pas mon micro qui bug, c'est moi qui bégaye. Il y a trop de trucs dans ma tête. Tu sais, t'as le délire de... En France, en mode... Ah bah, t'as bien rigolé ensemble, t'as fait des trucs, organise ta tête, impossible. Machin, t'as fait un truc, tu t'es bien amusé avec quelqu'un. T'as pas de... officialisation de l'amitié, tu vois, alors que bah, notamment au Japon, non, genre est-ce que tu veux être mon ami, tu vois, ou est-ce qu'on est amis, tu vois, et ça, il y a la question se pose, tu vois, c'est pour ça que t'as souvent des trucs en mode ah ouais, mais non, mais c'est pas tes vrais potes et tout, mais oui, mais c'est parce que tu rigoles avec quelqu'un que c'est ton pote, tu vois. Et du coup tu pourras jamais savoir tant que ça fait pas genre 3 ans que tu t'es pas vu et que tu revois et que tu y a le même feeling qu'avant et tout, tu vois. Vous savez, et puis ça pendant 20 ans. Mais voilà, du coup le gars c'est un pote et tout. Et il avait un an de plus que moi, mais il avait redoublé ou de lui-même, je crois il voulait, je crois. Et le mec était trop fort. Il est trop fort aussi dans l'audiovisuel. Bah c'est Riven, c'est le gars qui a follow quand j'étais en ligne. Et
Il est trop fort l'audiovisuel, il fait des bêtes de trucs, des bêtes de montage, des bêtes de concept. Sur YouTube, il faisait avec un pote, il faisait des trucs super drôles. Quand on faisait en MMI, des trucs pareil. T'avais des trucs créatifs à faire. Il était trop fort, c'était le big boss et tout, tout le monde lui demandait des conseils. Et il avait publié un truc sur Thread en mode... j'ai pas là du coup, mon téléphone c'est le retour, mais... c'était dans le sens, il a fait une pause et tout, il a fait plusieurs trucs. Et c'est un créateur, il aime bien créer les choses. Peut-être des gens ont entendu parler de lui en vrai. Peut-être, hein. Attends, je suis en train en même temps d'estimer mon taux de victoire sur la game. Déjà, je crois qu'on est très très bien. Et il faisait des vidéos de fou et tout ça. Et tu vois, je sais qu'il faisait des vidéos, qu'il avait déjà fait des vidéos, qu'il continuait même les vidéos. Et même ce qu'il faisait en MMI, qu'il publiait, ça fonctionnait de fou. Je vais rebaisser un petit peu le son du jeu dans mon casque. J'ai perdu le fil. Voilà. Tu penses que je peux tenter le prochain? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Il faudrait que j'augmente quand même le niveau de mon lotus ici, parce que... compliqué. Et du coup, son fameux poste, c'était que... il avait commencé un projet sur un mois, où il était à fond dedans, et sur les deux derniers jours, genre il voulait plus le faire et il voulait faire autre chose, tu vois. Il avait une autre idée. Et du coup il disait justement bah, que c'était un peu relou justement d'être à fond dans un projet, machin. Est-ce que des gens ont la même chose, tu vois? Et comment ça... comme s'ils avaient des conseils. Du coup, je vais faire un pavé. C'est là que j'ai découvert que Thread avait une limite de caractère des postes. Et je lui ai dit plein de trucs comme quoi. Genre, soit tu te forces à continuer ton projet que t'as commencé pour le terminer. Soit t'es plus flexible et tu enchaînes ton deuxième projet. Et tu reviendras sur ton premier avec la pensée que. Comme t'as déjà beaucoup avancé, il y a moins à faire, donc tu peux le terminer vite fait. Soit alors tu... ça j'ai bien aimé mon idée, je l'ai eu en écrivant les premières lignes. C'est en gros, soit tu communiques autour de ton projet. Évidemment si c'est un truc en ligne quoi, parce que si c'est un truc très privé, c'est compliqué. Et du coup je lui ai dit, bah, soit tu communiques autour, et t'as un engouement qui se crée, donc t'auras plus de motivation, des gens qui te soutiennent, aussi des gens qui vont dire « il arrive quand le truc que nous a promis ?» Bah promis, tu vois, c'est internet, hein. Donc forcément les gens, ils sont en mode « tu nous as dit ça, c'est sûr que ça devait arriver ?» Soit t'as ça, des gens qui sont « ok, prends le temps que tu peux, que tu veux pour taffer sur tes trucs, ça promet du boulot, machin, ça te motive et tu balances. Tu balances le projet quand c'est fini. » Soit bah, t'as pas l'engouement, pas d'engouement spécifique, et du coup tu vas, tu retombes en fait dans les premières descriptifs que j'ai fait, c'est-à-dire t'as pas d'engouement spécifique, donc tu continues, mais comme t'as communiqué autour, bah toi-même tu te dis bah ouais mais tu vois j'ai commencé à en parler etc. Ça serait con que sur un truc, un réseau social, tu vois, que tu partages, généralement tu partages ton profil sur d'autres réseaux, que c'est en mode, oui, le projet arrive dans 2 semaines, et qu'en final, l'année d'après, tu l'as toujours pas sorti. Hashtag mes vidéos YouTube, par exemple. Ouais, ça sort vendredi 17h, ouais, bah oui. Oui, bah oui, ça fait 8 mois, elle est où la vidéo? Oui, elle sort bientôt, ouais. Voilà. En fait, j'avais le même problème que lui dans ce sens-là où. Moi, je dis putain, ouais, je fais trop les vidéos, je taffe à fond dessus et tout. Soit, je me dis, ça. Soit, je me dis, genre, il faut autre chose et je fais autre chose. Soit, je me dis, j'aime pas. Je vais changer les esprits en faisant autre chose. Sauf qu'en fait, c'est en boucle que ça fait ça.
Je fais ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'ai fait, je m'étais mis à fond dans les vidéos. Ensuite, je m'étais mis à fond dans les petits trucs de streaming, de machin, de trucs. Ensuite, je regardais des vidéos YouTube de Minecraft où les gars ils créent des mods. Je me suis renseigné comment on faisait des mods. J'ai créé mon propre mode Minecraft. J'ai regardé comment on modélise des éléments Minecraft. J'ai modélisé mes propres éléments Minecraft. Je les ai intégrés dans mes propres modes Minecraft. Et ça m'a donné envie de faire des vidéos de création de modes Minecraft. Parce que c'est un truc hyper interactif que les gens peuvent tester aussi après quoi. Donc, je trouvais que l'idée était incroyable. Et pareil, ça veut dire que tu fais. C'est pas de la 3D de fou non plus, mais tu dois faire ça. Tu dois émuler entre guillemets un jeu réencodé avec ton éditeur de mode en fait. Je sais pas si mon PC va tenir, du coup il y avait la question du PC, du coup je me suis renseigné sur les PC, comment ça fonctionnait, quel stat il fallait, avec quel tarif, je me suis renseigné auprès des potes, machin. Alors je me suis dit ok bon c'est tout ça c'est bien beau, il faut revenir à la base, faire des vidéos pour se connaître un peu plus sur le Twitch Game pour pouvoir tu vois se développer. Et puis pareil, encore plus avant, je faisais des TikTok. Trop de questions, trop de trucs dans ma tête. Trop de trucs que je me pose comme question. Trop de trucs que je fais quand même. Ça m'aurait donné des migraines. Ah non, mais pourquoi ça me saoule hein. C'est pour ça que quand je travaille longtemps sur quelque chose, genre je me dis bon, je fais une pause. Sauf que quand je me dis ah oui, il faut que je reprenne ma vidéo. Ouais, mais il faut que je fasse ça aussi. Et quand je fais trop de choses, je fais rien. Et du coup après je suis en mode déprime. Putain, fiché, mais je fais rien. Pourquoi je fais rien? J'ai trop de choses à faire. Trop de choses. Non, je me dis pas j'ai trop de choses. Je dis ah bah j'ai qu'à faire ça. Sauf que c'est. Tu vois, je le fais, je suis à fond dedans, super. Il y a un moment où forcément t'en as un peu marre, tu fais des petites pauses. Et c'est pendant ces petites pauses là que je regarde une petite vidéo YouTube. Je regarde la liste des trucs que je me suis mis à faire. J'ai ah oui, il y a ça. Bon, bon là je l'ai pas d'ouvert mais. Et puis si j'ouvre mon OBS il va crash. Genre en fait chaque fois que j'ai une idée, et puis je m'étale partout aussi. Bah, je me suis fait un Notion où il y a tout dessus. Il y a tous les projets que je fais. Et dans chaque projet, il y a toute la liste des tâches que je fais, tu vois. Avec tout plein de tags, de machins, des trucs reliés, tu vois, c'est tout bien fait. Sauf que bah y'a trop de trucs quoi. Y'a trop de trucs. En tâche y'a faire des vidéos de création de mode. Putain, j'ai réussi à passer le niveau. Incroyable. Vidéo de création de mode. Vidéo de ce jeu, le Black Clover. Vidéo du jeu de dev qu'on avait fait. Est-ce que je continue les vidéos de l'aventure sur Pokémon? Il faut que je finisse le jeu Pokémon. Et patati patata en boucle. En boucle, et ça tourne en boucle. Sinon ça va. Hein. Ah, tu vois ce que je veux dire? Tant que ça va. Oui, ça va. Et du coup, c'est pour ça que je suis... jamais convaincu entre guillemets de ce que j'entreprends. Après c'est ouais si ça marche pour tout en fait. Je pense où je dis ah bah vas-y je vais faire une vidéo YouTube. Ouais bon ça c'est des questions autres que projet. Oh je fais une vidéo YouTube. T'en as déjà parlé tu vois mais est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça intéresse. Que plein de questions pour au final dire oui mais si toi ça te fait plaisir tu le fais. Donc, effectivement moi ça me fait plaisir donc je le fais. Sauf que il y a plein de trucs qui me font plaisir donc je les fais. Du coup je peux pas tout faire. Faut se poser plein de questions. Et ouais. Ouais mais faut trouver tu vois le nœud. Faut défaire le nœud. Et ensuite, soupe.
tu tires tes fils comme ça. Et s'ils sont emmêlés, bah t'es coincé en boucle. Oups. Faut les tèges. Oh, c'est de plus en plus long les gamins, mais je pense que on peut tenir facile. C'est pour ça que j'aime bien me poser sur un truc. Tu prends un ciseau et tu coupes les nœuds. C'est radical. Mais ouais, je sais pas comment tu peux faire ça psychiquement. C'est pour ça que justement j'aime bien me focus dans un truc et je le tryhard. Jusqu'à que j'en ai marre. Genre, c'est pour ça que j'avais tryhard de Valo, j'étais à fond dans le Valo. Et je regardais beaucoup de trucs de Valo, tu vois, ça m'évitait de m'éparpiller. Et je regardais comment les gens faisaient leurs vidéos, comment machin, et du coup je me dis ok, bah, c'est ça, quand je veux faire ma vidéo, je sais un peu tout. Opération du cerveau, pas le choix. Et je crois bien. Je crois bien. Ouais, tu vois, mes actions vont super loin pour au final revenir tôt. Si tu veux, je te la fais. Mmh. Ouais. On peut tenter, hein. Comme ça, il meurt pas, lui, là. 23 000 de dégâts, il meurt pas. Oh là là, mais ils utilisent leur ulti en boucle. Après, j'ai un seul mec qui fait des dégâts, donc. Compliqué. Oh là là, lui aussi utilise son ult. Oh la catastrophe. Ah, mais il se heal le bug. Attends, je réfléchis sur le truc là. En vrai, c'est en auto, je peux pas réfléchir, mais. S'il y a ce mob là encore dans les vagues prochaines, je vais m'endormir, on sera encore dans le combat. Et tu sont nuls là-dessus. Ok. On souhaite. Du coup, mes questions c'était en mode. Oui, je fais la vidéo, machin, ok. Mais du coup, j'ai pas le temps de faire ça, donc il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un qui peut m'aider à faire tout ça. Bah, tout ça pour vague 2, je meurs instant, on est où là? Non, ça va. Et du coup, oui, mais du coup, j'ai besoin d'un budget si je veux que quelqu'un le fasse. Hop, retour à case départ. Si je veux un budget dans ce domaine-là, il faut que je sois un peu plus connu, machin, etc., etc. Ah oui, j'ai eu un peu le seum aussi récemment. Tu sais, je joue au jeu Palia. Le jeu tout chill. Là. Le truc full communautaire et tout ça, vraiment sympa. Ils ont fait un système de drop il y a pas longtemps sur Twitch. Donc ça m'a mis un peu la haine parce que les drops ça attire de fou les gens. Mais j'ai totalement pas vu. Et du coup j'ai pas rejoué au jeu. Oh, Everesky, Everesky. Ok, Lotus, pourquoi pas. L'autre était mieux, mais bon. J'aurais dû l'empêcher, j'aurais dû res l'autre, je suis trop bête. Soit. Voilà, en plus il remeurt instant ce gros con. Hein. Et j'ai vu un streamer. Je sais plus quand. En fait, j'ai vu un post de Palia. J'ai cliqué dessus. Parce que j'ai vu qu'il y avait les drops. Du coup, ça m'a amené sur Twitch. Sur la page, les drops activés. C'est là que j'ai vu un seul mec dans la catégorie français. Il avait genre 150 follow ou 200. Il faut utiliser son outil un jour. Bah voilà, les merdes. Les mortes. Et débiles. Tout ça pour ça, bon, c'est pas grave. J'ai un peu forcé. Et le gars, il avait 25 subs. Alors qu'il avait genre 200 followers, tu vois. J'ai moins. Ah ouais, mais. Il triche, lui. Effectivement, il trichait. Non, peut-être pas. Ah ouais, mais en fait, ça sert à rien que je fasse ça. Je peux même pas le. Je peux même pas le speed. Ah, peut-être ça. Ouais, voilà. Et le mec, il avait ouais 60 viewers pour 200 follow et 20 subs. Je sais, mais waouh, il a comme deux zinzins. Et en fait, j'ai cru comprendre que c'était une.
une genre de collectif qui s'envoie les gens au fur et à mesure. Mais bon, même si les gens s'envoient d'autres gens, tu vois, s'envoient les viewers, ce raid et ce host. Pas pour autant que c'est super. Ça crée un engouement, un engagement et tout ça. Le mec, il n'y avait pas plus de. Je sais pas, de trucs en plus, justement. Et pas de trucs en plus, et putain, mais il a plein de monde parce que bah, le jeu il est sympa, c'est le seul français sur le jeu actuellement, et en stream du moins. Et en plus il y a les drops, donc les gens restent plusieurs heures pour avoir les drops. Et comme tu restes plusieurs heures, et bah t'as le temps que d'autres gens voient que le mec a plein de viewers, donc reclique dessus. C'est un cercle vicieux. Puisque Twitch met pas en avant les petits. Mais c'est sûr, heureusement qu'ils se mettent pas en avant parce que il y a tellement de petits streamers que c'est pas possible de mettre tout le monde en avant. Mais voilà, du coup ça me foutu un peu la même. Je me suis dit, oh peut-être que si j'avais repris le jeu, j'aurais peut-être pu avoir un truc sympa. Parce que le jeu est quand même cool. Hein. Moi je t'invite à jouer à Palia. Genre, je t'avais déjà envoyé un lien en plus. Quatre, trois, douze, sept. Ouais, j'ai pas assez. Ici, ou encore moins. Et là, pas du tout. Les trucs bleus, j'en ai peut-être en consommable. Alors. Oui, mais le déménagement et tout qui se rêvait dans ma vie, oui. C'est vrai. Je croyais que t'étais endormi. J'ai eu peur, hein. Oh bah putain, c'est bon. Je suis trop triste. Et puis là. Moi, je vois le nombre de pierres que j'ai. C'est chiant ça. Matériaux à split ici. Puis j'avoue que j'évitais de jouer avec monsieur, sinon je me prenais une remarque. Ah ouais? Mais non. Alors tu jouais. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu joues? C'est aberrant? Là, ah, tant mieux. Ici, wow. Dans la bulle. Oh là 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 là. N'importe quoi ça. Pourquoi j'ai un poisson goldé là? Poisson rare pêché dans une zone spécifique. Vendre? 10 000. Non, je le garde, j'ai pas envie hein. Je dis qu'elle se bien son jeu en vrai. Mais bref. Pas déverser ma haine ici. Peu. Ça, c'est un mec qui casse ses couilles. Dish. Tu le time out. Ce que tu peux faire, tu le time out genre quelques secondes. Comme ça, le mec il comprend pas. Il revient. Tu le re-time out. Il revient. Et voilà. Tu peux faire ça s'il y a Jeff. Ah non, tu peux pas, il est modo. Tristan. Non, il est sub. Un peu de strat. Ça c'est marrant. Bon, je sais pas quoi prendre là. On a dit ça, mais en même temps le ben ça c'est pas mal. On va prendre ça en 10. Ouais, pas du. Aïe. Pierre d'enchantement de votre choix. Ok. Dessert de votre choix. Enchantement de votre choix. Pierre de votre choix. Bien de votre choix. Est-ce que de la merde? Je pense que dégâts et taux critique, c'est le top. Parce que le truc flat sert vraiment à rien. On veut pas ça, on veut pas du flat. Non, au flat,
Non, non, non. Tout ça, ça vire. En fait, t'as que taux et dégâts critiques qui sont intéressants. Et résistance critique. Ouais, bof. J'en ai dit, je peux en prendre 300. Colossal quand même, hein. Au pire, j'en prends 5. Cinq de ça et 5 de ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ils sont partis où? 30 exemplaires, c'est celui-là. Cinquante de chaque, c'est énorme. Et là, ok, 3 exemplaires. Hop. 6, c'est nul. Voilà, ça c'est bien, on est bien comme ça. Franchement, du choix, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Voilà. Ouais, trop de trucs, c'est trop cafouillu. C'est compliqué à comprendre en soi. Mais en même temps, pas tant que ça quoi. L'objet peut être obtenu en recyclant une page de compétences. Ok, ça c'est pour les boutiques, pour les magasins. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un exploit. Putain, tellement fort. Oh, nice, c'est bien. Vous avez 220 pierres de trucs, c'est bien. 310 pierres, ok, c'est bien. 410 pierres, ok, c'est bien. Allez, tu m'étonnes, j'en ai reçu 300, en plus je sais pas combien. Mais il faut attendre d'avoir des bons équipements avant de les booster à max. Parce que si tu boostes de la merde, tu vas juste perdre tes trucs quoi. Donc là, on va faire un petit tour à la boutique. Ici c'est nul. Ici on a des trucs LR, mais. Ouais, pas intéressant. En vrai, ça. Non, pas assez bien. Étoile de mer, le ballon de plage, et là 1900 trucs qu'on a. Ça c'est quand même bien ça. Hein. Et ça donne que du... Ah non, ça peut donner du LR. Oh ouais, ça donne du LR, c'est un truc de fou. Je vais prendre une fois ça et tout ça. Voilà, je t'en ai plusieurs fois. C'est nul. Enfin, je regarde ce qu'il y a d'autre quand même. Et on s'en fiche. Et. Je pense pas que ce soit super intéressant ce que je fais là. Je vais arrêter. Surtout que je peux avoir ça. Non, c'est nul ça. Ça c'est vampirisme. Vampirisme bien aussi, mais... Je sais pas. Pas convaincu. Ça s'arrête dans un jour. Okay. Et recyclement. Compétence R. Sert à rien. Et ça, sert à rien aussi. Je peux essayer de prendre ça. J'ai 3400. 1, 2, 3. Il me manque un pour tout avoir. Ah, c'est que UR. Et si je peux avoir du LR à taux de 1%. Ouais. Pas dégueu. Pas dégueu, mais je vais garder quand même mes trucs. Mmh, ok. Ah, oh, Finral, il est bien lui. Finral, il est bien. Finral, il est bien.
Mais attendons. Alors, j'en ai peut-être besoin pour l'endurance. Les pièces de mage. Et ici. Ici, non, on garde tout. Ici, on s'en fout. Donc, en fait, mage, c'est intéressant, Finral, puisque pousse la vitesse de zinzin. Mais. De toute façon, il reste 11 jours. J'ai le temps. 11 jours, j'ai large le temps. Et on va voir Granny là-bas. Poussez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Donc là-dessus, on en a 0. C'est de la merde. Là, il nous en faut 4. C'est de la merde. Là, c'est de la merde aussi. Ok. Pourquoi j'ai fait tout ça, moi? Pourquoi j'ai fait tout ça? Je crois que je peux quand même augmenter les capacités. Je vais augmenter l'ult de lui si je peux. Je peux pas. Comme ça, je peux pas. Augmenter ça. Niveau max. Nice. Je peux pas. Combiné, on a une. Barrière nulle. Rades. La 2, pourquoi pas, non, nul. Faut augmenter le passif? Bah non. Taux de provocation, ouais. Ouais, putain, vas-y, je sais pas quoi faire. Ça me saoule, je suis un peu bloqué, oh. Je pense que j'ai juste fait retourner ça ici. En vrai, il faudrait que j'aille dans l'arène. Et que j'essaie de faire des bonnes compos. Lui, ça vient, lui. Hop, on met elle. On peut mettre Mimosa. Ah, la style est quand même pas mal. Hein. Mm-hmm. Ok. Tu vas y... Ah. Merde. Hop. Tac. Tac. Voilà. Elle, on shield avant tout. Lui... Ah oui, il faut qu'il attaque plus vite, mais... Comme ça. Elle, on tempo à max. Et lui, on fait ça. Ok, ok, ok. Ça, c'est la strat d'attaque. Ça, c'est la strat de défense. On va mettre ça. Comme ça. Big Shield, on attaque. Big Shield. On tempo. Et lui, malus. Donc, chiant. Alors là. Alors, Shield. Big Shield. Là, c'est Shield contre-attaque. Et attaque. Big Shield. Et boost de stats. Soin plus résurrection et moins de dégâts global et moins de vitesse à l'ennemi. Parfait. Parfait, on a une bonne team. Maintenant il faut essayer de trouver les gars un peu nuls. Non pas des persos de fou. Mais je crois que ça va pas être possible parce que tout le monde... Ah, les trucs vraiment solides quoi. En fait je sais pas comment aller au delà. Genre voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. C'est très bien parce qu'il est nul, il a mis un seul perso. Bon. Là je me protège.
Là, je me reprotège. Et là, je le tue à moitié. Il me tape tous. On a même pas vu quel point il m'a endommagé. Je pense que c'est ridicule. Ah. Parfait, je continue. Là. Non. Encore moins. Suivant. Je suppose qu'il y a un Julius, lui. Ouais, non. 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 Lui non plus. Lui peut-être. Ouais, tous les persos de fou là. Non. Tous les persos boostés. 14. Ah non. Lui il est faible. Bah, il, il a beaucoup moins de puissance. Mais il a des persos très forts. Là c'est fort en PVP. Très fort, très fort. Après j'ai les mêmes persos. Plus haut niveau. On peut tenter au pire. On tente. Je tente. Allez, soyons fous. Soyons fous, j'ai un peu peur, mais... Hop, on va arrêter bientôt. On va pas faire un petit combat parce que c'est trop. Oui, il attaque beaucoup plus rapidement. Oh. Ah, ça va pas, j'ai enlevé mon auto. Voilà, il est mort. ensuite j'attaque le Lotus. Il est mort. Il m'attaque. Qu'est-ce qu'il veut? Lui. Oh, il va se ressusciter en plus. Là je raise elle. Résurrection. Parfait. Tu fais y remourir. Oh. Même pas mort, let's go. On se met un petit shield à tout le monde. Lui, je tape, presque mort. Lui, je tape, il meurt, il ressuscite. Vitesse augmentée, super. On fiche. Ok, excuse-moi, j'ai besoin d'une mini-séance de psy avec une amie. Pas de soucis, pas de soucis. Oh, il a tué les deux, genre, d'accord. Hop là, bye bye. Ouais, il faut que... Pas trop que je fasse en auto, hein, parce que... Je me fais vite rouler dessus un peu. Je peux tenter. Mais c'est qui? C'est toi qui avais besoin ou c'est ta pote qui avait besoin? On peut tenter comme ça. Ouais, faut que Léon là, mais. Il va me faire chier, mais. Ah, c'est kiff-kiff, hein, mais. Oh, merde, je me suis mis en auto. Moi qui avais besoin. Ah ouais? C'est moi, je te triture le cerveau, je suis désolé. Oh, je joue en premier, let's go. Pardon. Est-ce que je balance tout de suite ça? En vrai. Non, hop là. Non, non, c'est pas toi, t'inquiète. Nice. Je vais vous la rassurer. Sur elle. Dead. Ensuite, sur tout le monde. Voilà.
qu'il veut lui. Oh, il m'a brûlé le bats. Hop là, contre-attaque, parfait. Hop, contre-attaque en plus. Trop fort, vraiment trop forte. Ok, ça va, rien de grave. Ça s'est bien passé. Je lui ai payé 80 balles. J'espère. Non, c'est abusé. Hein. Comment ça? Oh, là je tue tout le monde là. 100% je tue tout le monde. Oh, le saligo, il est résistant. Voilà. Ça va un peu mieux, je me pose toujours des questions, mais bon. Et ta pote, elle est apte. Elle est apte à faire ça? Comment ça, je suis monté, je crois que c'était 1400, moi. Non? Je suis débile? Peut-être débile, hein. Je suis effectivement débile. C'est 1400 le prochain. Sens gratuite, ça c'est bien. On fait des études en psycho. Nice. C'est dur la psycho quand même. Puis arrive assez bien analyser les gens et les aider. Il y a des gens, ils sont doués pour ça. Même s'ils sont pas issus de psycho, tu vois, ils sont en mode trop malin. Trop smart. Et ils ressentent les choses et tout. Il faudra pas, je m'en souviens plus. Je te rappelle même pas si on s'était vu. Ok, alors qu'il y a à peine 2-3 streams, on l'a dit quoi. Ça revient même pas. Mais bon, ouais, terrible. Ouais, on s'était vu quand j'étais à Nancy Town. Ah, pourquoi tu me cries dessus comme ça? Je crois que ça me revient. Ah oui? Peut-être lui là. Allez, soyons fous. Oh, ça me revient. On est où là? On est où? J'espère que tu t'en souviens. T'as deux camps, ça fait un moment, non? Oui, ça fait un moment. Hein. Au moment. Je sais même plus pourquoi j'étais sur Nancy, je sais plus. J'ai attaqué tout le monde. Voilà, avec un peu de chance, ça les a presque tués. Je tue. Parfait. Et là, tout le monde. Oh, l'immortalité, le bug. Je sais plus du tout, je sais même plus ce qu'on a fait. Bon, c'est posé chez toi. Et voilà, quoi, on a discuté, on s'était posé. Et après je vais repartir. Tranquille quoi. On peut faire des trucs de fou non plus. Hein. Il y avait encore le lapin. Oui. Il y avait encore le lapin. Le lapinou. Pourquoi il y a quelqu'un qui revit là? C'est lui qui était mort et il revit. Faut tuer elle. Pas content. Il me dit 19 je pense alors. Et 4 ans. Ah ouais. C'est beaucoup hein. Ah
Moi, je suis pas content de ce qui se passe là. Où t'es parti dans les entours là. Ok. Bon. Mais oui, ça date. Hein. Il y a du poison sur elle là. Bim. Et pourquoi il meurt pas? C'est bon, il est mort. Ok, bah tu pourras m'aider dans ma quête au questionnement sur moi-même. Bah vas-y, moi je t'aide, moi, pas de soucis. Moi. Bim. Piu-piu. Oh, les deux sont morts. Vas-y, petit rayon laser là, c'est bon. Vas-y, tranquille. Hop les, je monte. Mettre 5? Mais non. Or 1? Ok. Ah, c'est facile à monter. C'est facile à monter quand tu gruges. Oh, je gruge pas tant, hein. C'est eux qui sont pas au petit. Ouais, là, je sais pas, il y a quand même lui. Hein. Alors, lui, je le défonce instant. Level 60. Ah, oui, level 100, lui. Alors, je tourne pas. Tu vois, sur Discord, pas envie que ça soit dans le chat. Oui, bien sûr. Tu republies ou pas ce stream sur YouTube? Ouais. Mais le temps que ça soit son tour à ce stream qui soit. Et ça sur YouTube pendant enfin, longtemps. Tu veux pas que ça s'affiche? Oh, niveau 100 là. Ouais, mais non, mais c'est abusé, ils sont trop forts. Comment ils peuvent avoir des persos super forts mais une puissance nulle? Et encore 6 fois, s'il y a rien de bien. Tant pis. Haute voix. Tu veux que je regarde tout de suite ou que je regarde après? Hop. Et je peux plus et c'est fini. Ok. Bon, on est monté hors 4, hors 1, pardon. L'inverse. D'ailleurs, ça va jusqu'à 5. Même si c'était l'inverse, c'était pas bon. Comme tu veux, je sais pas que ça te dérange pendant le stream. Non, mais je lirai peut-être demain. Ou en dormant, mais. Généralement, j'arrête quand je suis fatigué, donc. Généralement, je dors. Et je vais arrêter bientôt. Ouais. Fatigue. En plus, ça, j'étais resté vachement longtemps. M'attendais pas. Ouais, pas dingue. Pas dingue, mais on peut peut-être faire quelque chose. Poc. Poc. Pas du tout le bon bouton. Grave. Talent. Et. Non, il m'en manque un peu. Ok. Donc, on va aller voir. Gray. Coucou Gray. Allez, cause. Au revoir. Bonjour. Hop, une. Et puis on peut. Une, on a dit. Et on peut presque. Attends, c'est 20, donc il me faudrait 40. Non, c'est pas possible. Faut juste combien sur une.
Pourquoi j'ai pas assez et... Ouais, je viens de voir ton message. J'analyse le jeu. Réflexion intense. J'améliore le truc. Ouais, je répondrai. Je vais t'embêter avec ça. Bon, alors, pas de soucis. C'est bien de. Bah, c'est bien. Se poser des questions. Intéressant. Défense. Défense. C'est un assaillant. Alors, TP. Oui. Il critique. Ou les machins. Ah, peut-être PV. On a peut-être des pouvoirs qui font en sorte. Active. Non, c'est des dégâts fixes. Truc fixe. Égal à l'attaque magique. Non, de l'allié. Égal à l'attaque magique. Attaque 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 magique. Est-ce qu'on a un truc d'attaque magique? Ça peut mal être la défense. Hein. En vrai, faudrait pas que je le mette ici. Faudrait que je le mette sur un truc qui a déjà. Déjà des points. C'est bien, oui, mais cette question me bousille vraiment la vie et le moral. Oh, ben non. Faut pas. T'inquiète. On discutera. Donc il faut que j'ouvre les 4 trucs. Ah oh, j'ai rien ici. Ouais, mon master il est nul. Je le fais là. Là j'ai tout. Là j'ai 2. Et là j'ai 2. J'ai 1. En vrai. En vrai, on va pousse le jubus, je pense. J'ai boost. J'ai boost mon Rulius. Je vais mettre un petit peu de défense. Béance. Il est incroyable. Le top, top du top, atteindre 50 000. 50 000, ça serait. Ça serait wow. Ça serait wowissime. J'adore la petite musique de jazz en fond. Oh. Alors peut-être. Alors peut-être le. La chaussette. Ok, alors peut-être la chaussette. Ok, alors peut-être la chaussette. Ça vient. Musique d'ascenseur, oui, c'est vrai que ça fait petite musique d'ascenseur. Mais c'est chill, c'est musique d'ascenseur agréable. Musique d'ascenseur, c'est un peu chiant. C'est les mêmes musiques qui te passent au téléphone quand t'appelles les services. Bonne musique d'ascenseur, ouais, c'est ça. Musique d'attente, hôtel sont vraiment les pires. Ah ouais. Puis la qualité. La qualité du truc est. Catastrophique. En vrai, du coup. Ça me fait deux trucs. C'est quoi ça? Y'a quoi dedans? Vous recevez l'un des objets suivants de votre choix. Ah. Donc William, pourquoi pas. Il se dit. En plus ils le mettent son puissance 1000. Ah oui. Ah oui, c'est trop chiant.
trop chiant. Tu le sens à fond. Bah, du coup, tu baisses ton son. Puis quand il te répond, bah, t'entends pas. Du coup, tu remontes. Le mec, il t'a déjà dit bonjour. Tu fais bonjour. Oui, bonjour. Trop bizarre. Alors, William, on s'en fout, lui, on s'en fout. Nozel, pourquoi pas, mais on s'en fout. Lui, on s'en fout. Lui, on s'en fout encore plus. Lui, bon. Lui, je l'ai pas, de toute façon. Radès, très intéressant. Lotus, très intéressant. Charlotte, un petit peu moins. Donc, ça sera entre les deux là. Je pense que je prendrai Radès. Pour vraiment l'avoir à fond, quoi. Pour l'avoir à fond. Ou Lotus, est-ce que Lotus à fond est mieux? Ah, de toute façon, il faut monter tout le monde. Ah, pas que commence. Ah, comment on fait? Ah. C'est quoi le meilleur des strats? Alors, Finral, je pouvais pas l'augmenter lui? Ah, non, mais je pouvais acheter un truc de Finral peut-être. Sol. Ok. Elle, ok. Elle, ok. Lui, on peut le booster, tiens. On peut le booster de combien? De 1, c'est tout? Bah, c'est peut-être parce que j'ai vendu les autres, mais. Piu 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 piu. Bloquer un passif, non? Non? Comme ça, non. Confère dégâts subis réduits 5%. 10%, ok, nul. Ok, on va s'arrêter là. On est bien. Je suis des hookshots, fichier. Peut-être pas un truc en balance en stream? Pourquoi pas? OBS, il est où? Il est là. Mode stud. Just shading. Hop. Et... Hop. Non, perdu. Hop. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal. Ouais, je vais me poser dans le lit. Je vais rompir. Faut que je me lève assez tôt. Donc là il est 2h, faut que je me lève à 10h max, donc 8h de sommeil, un peu moins. Ça va. Ouais, je peux pas se me lever à 8h. Non, peut-être pas. No direct aussi. Oui, bon, je me doute. Hein. Je me doute. La fatigue. Est-ce que. Bon. Si t'aimais bien le truc du jeu, mais quelqu'un qui m'a retenu. C'est qui? Je. Tu sens du coude comme ça. Si je fais des petites vidéos chill. Putain, y'a plein de trucs que je voulais parler que j'ai oublié de parler. Oh non, Zeus. Ah, on peut pas en parler là, ça va durer longtemps. Oh non, la boulette. C'était par rapport aux cadences de vidéo, miniature, interaction, goût, tout. Je suis pas couché. Non, on va dormir là. On va dormir, je me note ça quelque part. Sur Discord, je me note ça ici. J'ai pas un truc stream. Je vais l'appeler. J'ai créé un channel qui va s'appeler stream. Je vais dire. Parler. De la cadence de vidéo. Aussi de. Miniature. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Parler de la cadence de des vidéos. Miniature. Cadence. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Bon, allez. Bonne nuit, pleine lune. Merci d'être passé. Merci d'être resté. Tu étais pas obligé. Hein. Tu pouvais aller dormir. Hein. Je te retiens jamais. Moi. Pas de soucis. Et du coup, voilà. Au demain soir, pas de stream, vous vous douterez bien. Peut-être lundi soir, mais pas mardi soir. Ni mercredi soir. Jeudi soir, peut-être. Après, il peut se qu'il y en ait que dans l'après-midi, tu vois. Je sais pas s'il y en a encore en vacances, tout ça.
Et voilà, ça sera peut-être comme ça. En tout cas, je vais essayer de taffer sur des vidéos. Donc restez à l'affût. N'hésite pas à commenter la vidéo, en fait. Tout YouTube fait. Putain, t'es excellent. T'es trop fort. Tellement beau, en plus. Et puis, tu fais... t'es mon mot, tu me mets en barré. Ça, c'est marrant. C'est un jeu de l'humour. Bonne nuit, passe une bonne fête de fin d'année. Des bisous. Bonne fête à toi aussi. Je reverrai un petit bonne année. Ne t'inquiète pas. Évidemment. Bisous, bisous. Bonne nuit. Ciao, ciao.